Dernier épisode de la saison 4 de Drette sur le tape aujourd'hui. Comment allez-vous? Le printemps approche, le coronavirus nous mange de l'intérieur. Quelle belle saison! Ah, soyez pas tristes, non, si la saison achève, parce que j'ai une belle annonce pour vous. On peut se voir dans pas très longtemps, parce que je viens tout juste d'annoncer que je ferai une nouvelle heure, je teste une nouvelle heure de blague le 17 avril au Terminal à Montréal, et les billets sont déjà en vente. Vous pouvez aller sur ma page Facebook, ma page Instagram, il y a le lien. Je l'ai mis en story également, donc allez voir ça. On peut se rencontrer en personne, on se jasera. Et on se nécra autant longtemps qu'on veut. Il y a personne qui va nous dire quoi faire. Donc, 17 avril 2020, à Montréal, je teste une nouvelle heure de blagues, de nouvelles tunes, des nouveaux gags trop dark. Et ça va être bien plaisant. Comme je le dis dans le descriptif du show, j'ai besoin de vous pour tester ça. Parce que sinon, moi, tout ce qui me fait rire, c'est jamais supposé être drôle. Et ça finit toujours ben trop loin. Alors, j'ai besoin de vous pour me ramener et rééquilibrer mon pH. Dernier épisode de la saison, comme j'ai dit, honnêtement, je veux juste remercier énormément Sam Tétrault, qui a fait un job incroyable cette année, tout au courant de l'année, autant pour le booking. Il a animé le centième, dont vous m'avez donné énormément de feedback positif. D'ailleurs, il y en a qui me demandaient le vrai nom de Producer Tom pour aller le regarder sur Elite Prospects. C'est Thomas Sechterz, ça s'écrit S-Y-C-H-T-E-R-Z. Donc, il faut aller voir sur Elite Prospects sa carrière catastrophique à Princeton, suivie d'une carrière incroyable en France avec aucune défaite. Donc, il faut aller voir ça. Merci à Sam Tétrault pour son travail, sérieusement, pour toute l'année. Ça a été incroyable et je crois que c'est le début d'une grande association. Merci également à Producer Tom, évidemment, qui est là comme d'habitude. Hugo à la comptabilité. Le Domaine Saint-Jacques, qui depuis l'épisode 1 fournit une bouteille à chaque invité qui est passé au podcast. Merci au Domaine Saint-Jacques de sa confiance. Vous le savez, je l'ai dit je sais pas combien de fois, c'est les parents de Jay du Temple. Ils sont sur la rive sud de Montréal. Vous pouvez aller vous-même sur place au vignoble. Ils vous font faire le tour du vignoble, vous pouvez acheter du vin, rencontrer Nicole et Yvan. Des entrepreneurs de chez nous et des gens d'une qualité supérieure. Donc, c'est cela. Également, je veux remercier Mercerie Brabant qui nous a fait confiance. Les invités qui sont venus au podcast, qui viennent de bonne foi, qui sont tous vraiment nice. Merci de venir au podcast. C'est à cause de vous qu'on peut faire Drette sur le tape. Et évidemment, vous les fans, merci d'écouter, de suivre, de m'écrire, d'aller faire des commentaires positifs, d'en parler dans votre ligue de garage, d'être membre Patreon, ou de considérer l'être éventuellement. merci. Également aussi, hey, ça me fait penser, je dis les reviews, là. Une fois par 4 mois, je vais voir sur iTunes s'il y a des nouveaux reviews que vous avez faites. Mais n'hésitez pas à aller faire des reviews. C'est possible, soyez précis. Dans les derniers mois, il y en a deux qui ont fait des commentaires par rapport à notre son. Et nous, notre son, c'est quelque chose qu'on prend extrêmement à cœur. On tire beaucoup de fierté du son du podcast. C'est très important, le son. Et il y en a qui ont dit « Ah ouais, le son, je trouve ça moyen. » Et c'est difficile parce qu'on peut pas répondre à la personne. Donc, on peut pas savoir donc de quel épisode il parlait ou de quel moment. Est-ce que c'était son à lui qui était ou c'était nous le problème. Donc, si vous faites des critiques constructives, nous, on adore ça, les critiques constructives. On veut vous amener, pas facile à dire, hein, constructif. On veut vous amener le meilleur podcast possible, puis on veut pas se faire dire qu'on est bon juste pour se faire dire qu'on est bon. On veut se faire dire, hey, ça, est-ce que c'est possible d'améliorer ça? On veut que le son, que tout soit parfait, ou en tout cas le meilleur possible. Donc, si vous faites des critiques constructives, soyez précis, quel épisode, à quel temps, qu'est-ce que vous avez... Et nous, ça va nous faire plaisir de lire ça, puis d'améliorer le podcast, évidemment, pour le futur. Et voilà. L'épisode d'aujourd'hui, si vous avez cliqué sur ça, c'est parce que peut-être vous avez reconnu un nom, un household name, comme on dit à Montréal, Monsieur Guy Carboneau. Un homme très charmant que j'ai rencontré le 19 décembre 2019. De réputation, on entend, on pense à Guy Carboneau, on dit qu'il est gêné, qu'il est assez fermé, tout ça. Faux. Moi, l'entretien, l'homme que j'ai rencontré, un gars extrêmement ouvert, jaseux, de bonne humeur, honnête, franc, il n'y a pas hold back, jamais. C'était vraiment, vraiment agréable. Moi, je me disais, OK, va-tu falloir que j'ouvre une huître pendant 1 heure, puis il va pas vouloir jaser. Non, zéro. On a jasé, je pense, 1h45, et ça a été un plaisir du début à la fin. Donc, merci énormément à Guy d'être passé au podcast. Ah oui, il y a une affaire que j'avais oublié, c'est ça. C'était le Pro Shop culturel. Le Pro Shop culturel, j'ai gardé, je pense, pour le dernier épisode, ce qui est probablement le petit bonbon de l'année, de la saison actuelle, c'est l'histoire de David Ayres. Si vous n'avez pas encore entendu parler de David Ayres, A-Y-R-S, c'est le chauffeur de Zamboni des Leafs
qui s'est vu appelé à remplacer, à embarquer sa glace pendant une vraie game contre les Hurricanes parce que les deux gardiens des Hurricanes se sont blessés et que par définition, l'équipe hôte est obligée de fournir un gardien. Ce gars-là, ça donne à être leur chauffeur de Zamboni. C'était, moi, je l'ai vu en live à l'athlétique avec mon père. J'ai abandonné à 100% la game des Canadiens. Je ne voulais que voir cette feel-good story incroyable. Il s'est fait marquer 2 buts sur ses 2 premiers tirs. La panique était présente. Et là, les acteurs généraux des autres ligues disaient c'est scandaleux, comment ça se fait que ça se passe. Et finalement, il a gagné la game. Les Hurricanes ont gagné pour lui. Allez voir ça sur Internet. Les gars l'attendent dans la chambre après avec du champagne. Son bâton est rendu au Hall of Fame. Il a fait une tournée des late shows américains. Je rappelle, c'est le gars de l'entretien de l'aréna. C'est une histoire absolument magique. Et les Hurricanes, évidemment, ont gagné la game. Ce qui, le gars a, ah oui, j'ai oublié de le dire, 42 ans. 42 ans, il se ramasse d'une game de Ligue nationale. Bref, feel good story of the year. L'année passée, il y avait eu Scott Foster, cette année, lui. C'est les deux seules fois que c'est arrivé de l'histoire. Et à la rencontre des directeurs généraux, ils ont décidé qu'elle allait garder la règle de même. Ça arrive trop rarement. Puis les deux fois que c'est arrivé, le goaler, par rapport, a gagné. Donc, on ne touche à rien. C'était le prochain culturel pour le dernier épisode de la saison. C'est la meilleure histoire de l'année. C'est maintenant l'heure de rencontrer l'ancien capitaine du Canadien Montréal, le dernier capitaine à avoir soulevé la coupe pour une équipe canadienne et l'ancien coach du Canadien. Voici M. Guy Carbonneau. Drette sur le tape avec David Bocage. Bon, Guy Carbonneau, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. En cette journée de type froid Sibérie. Oui, on sait qu'on est au Québec là, présentement. Oui, c'est ça. S'il y en avait qui n'étaient pas sûrs dans les dernières semaines, aujourd'hui, on est vraiment au Québec. On est un peu moins en Australie. C'est ça qu'on essaie de dire en ce moment. Non, c'est ça. Tu es arrivé en plus avec un jacket d'automne. Je me suis dit, mais cet non, homme... Non, c'est un beau jacket d'hiver. Ah oui? Plus, oui, non, c'est un jacket d'hiver. C'est vraiment... Même, c'est, en même temps, tu as bloqué des tirs avec ta face. Fait que je veux dire, c'est quoi le froid au final? Ben là, je viens de cette île. Fait que oui, c'est froid, ça. Le froid, je suis habitué, là, mais ça fait quand même un bout de temps que je suis parti. Ça fait que... C'est ce que j'ai dit, tu as la peau des gens de cette île. Et... J'ai le chauffage dans mon auto, ça fait que je suis correct. Il n'y a pas de problème. Chauffage interne. Oui. C'est la deuxième fois que je te vois à vie. Ben la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est l'année passée dans la loge Holiday Inn Express. Holiday Inn Express, hein, oui. D'ailleurs, c'est le timing, c'est la dernière game de la saison. La partie Ryan Poehling. Oui. C'est, je ne sais même pas s'il a remarqué des buts depuis. Tellement que... pas dans la Ligue nationale. Pas dans la Ligue nationale encore. Parce qu'il y a quoi, 6-7 matchs de jouer, puis il n'y a aucun point. Oui, non, c'est ça. Plus à Laval cette année. Ouais. Mais oui, Holiday Inn, que ce genre de campagne de pub, tu faisais des vidéos avec Doug Gilmour. Doug Gilmour. Ils ont fait appel à tes skills d'acteur. Oui, c'était des skills d'acteur et de cuisinier, je pense. Mais c'est toujours le fun, tu sais, je veux dire, les compagnies de qui font de la production même de vidéos, de commerciaux, maintenant on essaie de trouver des choses originales. Mm-hmm. Que Doug Gilmour a un petit peu plus de tatou qu'à l'époque, c'est faire des... Il y en a qui aiment beaucoup les tatous. mais j'ai rien contre ça, j'en ai pas, mais c'est pas grave. Il y en a qui aiment beaucoup les tatous. Oui, les tatous. C'est pas la première fois que tu faisais du « acting » en guillemets, parce que... J'ai appris ça hier, c'est un ami qui m'a dit ça. J'ai dit, demain, je vais recevoir Carbo. Il fait, son passage à la petite vie. La petite vie. Quoi? Ouais. Puis en plus, en ce moment, comme je te disais avant qu'on commence, on est chez Avant-hier en ce moment. Ouais. Les boîtes que tu vois derrière, c'est des archives. Ouais. Ça, c'est des archives de la petite vie. Puis tout ça. Là, je reçois encore des chèques. Non! Oui. Une chance. Une fois de temps en temps. Une coupe de une vingtaine de piastres, là. Mais c'est, c'est ça. Je reçois encore des chèques qui passent certaines occasions durant l'année. Là, ils passent l'épisode. Je pense que le nom de l'épisode, c'est Une vedette pour souper. Oui, c'est comme ça. Quelque chose comme ça. À chaque fois qu'il y a des rediffusions, il faut que tu te vois. Ouais, non, c'était vrai. C'était le fun. C'était je dirais pas un coup de tête, là, mais on avait quand même. J'étais un petit peu ami avec ces gars-là. Mm-hmm. Puis un jour, avec les gars de la petite vie. Ah ouais, les comédiens. Ouais, puis les comédiens. Puis un jour, ils m'ont demandé, mais écoute, ça te tenterait-tu de nous faire un show, on va écrire une histoire. Puis, c'est un concours. Mais oui, c'est ça. Maman puis papa avaient gagné un concours. Puis le concours, c'était un souper avec Guy Carbonneau. Oui. Alors, c'était quand même assez facile. Je faisais moi-même. Oui, ton caméo. Ben juste te voir dire maman puis papa, c'est... Maman puis papa, oui. C'était quelque chose de vraiment intéressant.
sais, j'ai fait des commerciaux dans ces années-là, puis t'apprends à... Tu sais, tout le monde sont en extase des fois en avant des joueurs de hockey, qu'est-ce qu'on est capable de faire sur une patinoire, tout ça, ouais. Mais les acteurs, les actrices ont un travail, eux autres, qui n'est pas facile non plus. Puis j'ai fait un commercial une année pour Gillette, les lames Gillette. Ouais. Puis avec la petite vie comme ça, là, puis tu respectes encore plus les gens qui font ce métier-là parce que c'est pas mal extraordinaire. Je veux dire, ouais. Moi, je me rappelle la petite vie, on l'avait fait la journée d'avant, on avait fait une pratique. Puis pendant une heure et demie de temps, deux heures de temps, je n'ai pas été capable de dire un mot, je riais trop. Ah, parce qu'eux, ils font leur liste. C'est sûr qu'eux autres font le plus le niaiseux, là, mais j'ai dit, ça va être impossible pour moi de je serais pas capable de faire le show. Je faisais juste rire. Parce qu'eux, ils improvisent. Ben, devant le public, en plus, là. Mais là, ça, je le savais pas, là. La journée avant, je le savais pas, mais je l'ai su le lendemain, non. Ben voyons. Ouais. Mais je sais pas, je pense que ça m'a aidé. Parce que comme j'ai dit, la journée d'avant, j'avais de la difficulté à dire deux phrases parce que je partais à rire trop vite. Décrochais. Fait que là, mais je pense que quand j'ai vu le monde, je m'ai rendu un peu plus nerveux. Puis, ça m'a aidé, moi, c'est ça. Fait qu'ils t'ont vraiment demandé la permission avant. OK, si tu veux, on va écrire un épisode autour de toi. Ben, c'est ça. Ils sont venus après un petit peu plus dans ce sens-là. C'est qui que tu connaissais de la petite vie? T'es chum. Mon Dieu, ça fait tellement longtemps. Il y avait Marc Messier. Ouais, Marc il venait souvent au hockey. Michel Côté, c'est tous ces gars-là. Là. Puis après ça, la gang de Brou, c'était la même affaire. On avait la chance justement de... Tu sais, quand tu étais joueur de hockey, puis même encore aujourd'hui, quand tu es joueur de hockey, tu as la chance d'être dans un cercle des fois qui est plus fermé, que tu as la chance de rencontrer beaucoup plus de gens. Showbiz. Showbiz. Mais c'était vraiment des belles années. Puis, parce que tout l'épisode, dans le fond, c'est que maman et papa gagnent un souper avec Guy Carbonneau. Tout l'épisode, papa prépare ses questions. On est au restaurant, puis maman s'étouffe. Papa s'est préparé des questions. Oui, c'est ça. Quand vous êtes à l'étranger, dans quelle langue marquez-vous vos buts? Pogo veut te demander des questions, mais il finit trop chaud pour te poser. Des bons souvenirs, quand même. Puis, en plus, je pense que c'est 93 que vous avez filmé ça. C'est-à-dire... L'année de la coupe. Exactement. Mm-hmm. Fait que t'es déjà sur un nuage, là, ces années-là. Ouais, je me rappelle pas si c'était pendant la saison, par exemple. Okay, on n'avait pas gagné encore. Oh, OK. Fait que c'était avant la coupe. Oh. Ouais. Wow. Ouais. Je suis pas mal sûr. Ça fait longtemps, là. Je me rappelle quand est-ce qu'on a gagné plus cette année, mais je me rappelle plus quand on avait fait l'émission. T'es le dernier capitaine au Canada à avoir levé la coupe. C'est quand même pas rien. D'ailleurs, cet automne, ça a été un automne un peu spécial pour toi parce que t'as pas juste regardé les feuilles tomber, t'as eu un appel un peu le fun. Ouais, mais c'est ça une belle surprise au mois de juin, un appel de Lanny McDonald et John Davidson pour m'annoncer que j'étais intronisé au Temple de la Renommée, je venais d'être choisi pour être intronisé, ça fait qu'à partir de cette journée-là, c'est allé pas mal vite, ça a déboulé, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de cérémonies, beaucoup de belles mémoires aussi, par exemple, parce que à cause de ça, il y a beaucoup de journalistes, beaucoup de réseaux de télévision, beaucoup de personnes qui m'ont appelé pour justement faire des entrevues, des choses à la télévision, ça fait que j'ai retombé dans mes boîtes de souvenirs à la maison, ça fait que ça m'a ramené beaucoup de belles choses. Mais ouais, c'est comment ça fonctionne, le Hall of Fame, c'est parce que ta carrière, elle a fini il y a 20 ans. Puis ta carrière, elle n'a pas changé, elle, parce que ça reste que c'était de 82 à 2000, mais qu'est-ce qui fait que eux... Tous les joueurs qui jouent dans la Ligue nationale ont la chance d'être intronisés. Mm-hmm. Que tu aies joué un an ou que tu aies joué 30 ans, lorsque tu te retires, pendant 3 ans, tu n'es pas admissible. Ouais. La troisième année, ou la quatrième année plutôt, tu deviens admissible. Ouais. Il y a un comité qui est, je pense, c'est 18 personnes, des anciens joueurs, des anciens coachs, des anciens GM, des anciens journalistes. Ça change pas à chaque année, mais... Alors, c'est un comité qui, à chaque année, se rencontre. Puis, il y a des... on met en candidature certains joueurs. Ouais. Puis, il y a un vote.
Ouais. Puis toi, est-ce que tu avais les autres années, est-ce que tu suivais ça? Toi, tu es au courant de rien. Il n'y a personne. La beauté là-dedans, c'est que le comité a décidé de jamais révéler qui était en combination, qui était proche, qui était loin, qui... blablabla. Ouais. Alors, à chaque année, on sait que telle date, le comité se rend compte, puis que dans l'après-midi, on va donner les... Là, maintenant, ça fait partie... Il y a une femme oui. qui fait partie du groupe. Il y a un Européen, un bâtisseur. Ouais. Puis là, ben, dépendamment de la saison, c'est deux ou trois joueurs. Ouais. Alors, c'est cette journée-là, puis on le sait. Si ton nom n'a pas été nommé, mais là, okay. tu peux pas savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a un côté politique à tout ça, ou toi, tu t'envoies des lobbies? Non, je pense pas. Je pense que... Tout le monde parle à tout le monde un peu dans ce monde-là, c'est sûr que... Mais non, c'est pas... Tu y croyais-tu? Je pense que tout le monde, après la carrière, tu sais, comme c'est ce qui t'est dit souvent, puis tu rencontres les gens, tu sais, je veux dire, qu'on a tous été jeunes en train de jouer au hockey dans la rue en espérant gagner la Coupe Stanley ou ouais. jouer dans la Ligue nationale. Mais si tu ne te réveilles pas le matin et tu dis « Ah, je vais aller commencer à jouer au hockey parce que je vais être dans le temple de la renommée. Ouais. » Mais quand tu as terminé ta carrière, tu essaies de réfléchir, tu essaies de regarder qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as accompli. Puis, je pensais avoir une chance. Avec trois Coupes Stanley? Avec trois Coupes Stanley, trois Celtics, le nombre de matchs en série éliminatoire, la façon dont je me suis comporté pendant ces les années-là, le capitaine du Canadien de Montréal, toutes ces choses-là mises ensemble, je croyais que j'avais une chance. Je savais que ça allait être difficile, mais c'était pas une certitude ouais. comme Sidney Crosby va être ouais. ou Alex Ovechkin, mais ouais. je pensais avoir fait assez. Mm-hmm. Alors ça a pris 16 ans. Puis c'est-tu Lanny McDonald qui t'appelle? C'est Lanny McDonald puis John ouais. Davidson. Ah, c'est Lanny est le président. Je pense que John est son vice-président. Alors c'est lui qui fait tous les appels cette journée-là. Wow. Fait qu'il t'appelle vers midi, midi et demi, 1h moins quart. Il ton téléphone. Ouais, c'est ça. C'est que comme Hayley Wickenheiser, elle avait un examen pour son cours de je pense qu'elle avait devenir docteur. OK. Alors, elle était en examen, elle n'était pas capable de prendre son téléphone. Alors, elle l'a su juste quand elle est sortie une couple d'heures plus tard. Ouais. Mais c'est plus pour t'avertir qu'à 1h30, les noms vont sortir, alors okay. de se préparer. Puis là, ben. Wow. Puis qu'il y a une appel-conférence. Alors, t'étais chez vous, toi? Mais là, j'étais à l'écurie avec mon épouse. À l'écurie? Oui, on a des chevaux. Ça, OK. C'était comme. Donc ouais. la tienne. Oui, ouais, ça que. J'étais à l'écurie. À Dallas, ou? Non, on est ici à Montréal. OK. C'est pas mon écurie, mais on a des chevaux dans une écurie. Okay. Mon épouse fait. C'était du cheval, l'équitation. Okay. Moi, j'en ai fait. Mon cheval est à retraite. Mais ça fait que c'est ça. C'était pour comment il s'appelait ton cheval? Frank Selke. Frank Selke, c'est toi qui as donné son nom. Oui, c'est ça. Mais à chaque fois, tu sais, un cheval, ça n'a pas de nom. C'est toi qui lui donne son nom. Il se réveille, il naît chaque fois. Exactement, c'est ça. Fait que moi, j'ai Frank Selke. Mais oui. C'est parfait. Non, c'est ça. Ça fait que j'étais à l'écurie, puis mon épouse était là. Ça fait que tu peux. On te demande de garder ça le plus près secret pour une heure. Là, ouais. Fait que ça sorte. Ça fait que j'ai eu la chance de. Ma femme était là. J'ai eu la chance d'appeler mes enfants, puis ma mère. Tu n'as pas fait un petit post sur Instagram, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas fort sur Instagram. T'as gardé ouais, secret? C'est ça. Comment ça se passe? C'est une fin de semaine, là, dans le fond? C'est une fin de semaine. À l'automne? Au complet, oui. C'est quoi qui se passe exactement pour vous dans cette fin de semaine-là? Tu arrives à Toronto? Il y a tout un processus. Oui, la cérémonie était le lundi, le 18 novembre. Okay. Et moi, je suis arrivé avec mon épouse le vendredi midi. Okay. Parce qu'on avait une rencontre au début de l'après-midi. Le vendredi après-midi, il y avait une cérémonie au temple de la renommée okay. pour nous remettre notre bague devant des gens. Là. Il y avait des gens là, des journalistes un peu. Le soir, c'est le match Toronto.
Au Maple Leaf Garden. Il a changé de nom. Il a changé de nom, ouais, c'est ça. C'est plus le nom. Aujourd'hui, je pense que c'est Scotiabank. Scotiabank. Cette année, c'était Toronto contre Boston. Alors, le soir, on est invité au match. On est présenté sur la patinoire, les six. Puis, on met la mise au jeu. On peut regarder le match. Le samedi, il n'y a pas grand-chose. c'est assez tranquille, mais il y a toujours des choses qu'on peut faire, si tu veux le faire. Mettons, il y a beaucoup de shows de cartes. De cartes, oui. Des signatures de cartes. Ah, OK, OK. Des choses, oui, c'est ça. Ah, c'est les tours de magie, j'étais comme... Moi, j'en ai profité parce que toutes mes deux filles étaient là avec ma fille, j'en ai une qui a trois enfants, avec leur chum, ma mère, une couple de frères, des amis. On a fait un souper dans un restaurant le samedi soir. Wow. Le dimanche, c'est un match des anciens. Oui, c'est le match des légendes, qui était cette année Nick Lidstrom contre Matt Sundin. Ouais. Qui est encore bon, d'ailleurs. Exactement, oui. puis avant le match, on a une cérémonie encore là, sur la patinoire, où on nous remet notre jacket du Hall of Fame. Ouais, c'est un... C'est un jacket normal avec une patch du Temple de la Renommée. Puis là, ben, après ça, on est allé se changer. On a joué pendant le push jusqu'à la fin du match. Oui. Puis le lundi, c'est la vraie cérémonie. Ouais. Avec ta famille, tu fais un speech, là, je pense que vous avez comme un 15 minutes. Là. Oh, non, normalement, ils nous demandent de se tenir à 5 minutes. Mais, beaucoup de monde a dit que c'est quasiment impossible. Mais non, c'est mais ça. Ils savent, ça, c'est correct. Toi, tu l'as fait en français aussi? Mais j'ai fait une partie en anglais, oui. J'ai parti une partie en anglais, puis une bonne partie en français, oui. Pour tes parents? Je suis né à Sept-Îles. J'ai joué à Chicoutimi. Mm-hmm. Je veux dire, au Québec. Là, c'est, moi, j'ai joué la majorité de ma carrière à Montréal aussi. Ça fait que c'était important d'avoir une partie en français. Oui, c'est vraiment le fun. Un moment donné, d'ailleurs, tu te changeais entre les langues. Ouais, et là, un moment donné, les gens ils ont applaudi parce qu'ils pensaient que t'avais fini. Tu as dit non, one more page. Page. C'est ça. Non, c'est ça la dernière. C'est celle de ma femme, oui. Ouais, c'est ça. Tes enfants, ils ont beaucoup habité aux États-Unis. Ils parlent-tu français quand même? Ben, mes deux filles parlent français encore. Oh, oui, c'est ça. Mais ma plus vieille, elle a trois enfants. Les trois ne parlent pas le français, malheureusement. Mais ils sont nés aux États-Unis. Oui, ils sont nés aux États-Unis. Oui, c'est ça. OK. D'ailleurs, ton gendre étant Brandon Morrow, un médaillé olympique, 2010, si je me souviens bien. Dans l'Olympique à Vancouver. Oui, puis c'était le heart and soul player de Team Canada. Il jouait un rôle. Ben, c'était heart and soul, c'est tous des gars. c'est ça. Mais il y a eu une belle carrière dans la Ligue nationale. Très belle carrière. Oui, très belle carrière. Malheureusement, il n'a pas eu la chance de gagner la Coupe Stanley. Mais... Il a été changé à Pittsburgh, à un moment donné. Pittsburgh, il a commencé sa carrière en 2000. Juste après. nous, on a gagné en 99. Ouais. Puis moi, cette année-là, lui est arrivé au mois de novembre. Il a commencé à sortir avec ma fille vers janvier, février. On est allé en finale de la Coupe Stanley. On a perdu contre le New Jersey. Ouais. Puis Jason 15-16 ans plus tard... il était à Tampa Bay quand ils ont perdu en finale de la Coupe Stanley. Fait qu'il a commencé sa carrière, puis il a terminé sa carrière en finale de la Coupe Stanley, mais il n'a pas été capable. Il a fini à Tampa. Tampa Bay, ouais. Ah ouais, je me souviens pas. C'était sa dernière année. Ah, ok, je me souviens pas de ça. Ça, je me demandais en plus comment Brandon Morrow a rencontré ta fille. On a joué ensemble. C'est ça? Ouais. Parce que toi, t'es un joueur de hockey. Tu sens que c'est un joueur de hockey, puis tu connais un joueur de hockey. Tu veux pas que ta fille. Non, mais j'ai eu la chance. C'est ça, lui est arrivé avec les Stars. Au mois de début de novembre, fin octobre, début de novembre, je pense, avec l'équipe. Il avait fait le camp d'entraînement, mais on l'avait renvoyé dans la Ligue américaine. Fait que à partir de novembre, là, j'ai eu la chance de le rencontrer. On était sur la route, on était tout ensemble. Fait que, il avait genre 20 ans, ta fille, avec quel âge? Elle avait 18. T'étais-tu comme, oh, non, je vois ça revenir, j'aime pas ça du tout. Ben, ça a pris une couple de semaines, un mois peut-être, avant qu'on s'en rende compte, là, parce que...
T'en entends pas parler, mais on avait parti de Noël, parti du jour de l'an, parti du Super Bowl. Ouais. Puis là, ben, Mané, t'entends son nom souvent à la maison. Puis, tu fais des liens? Ouais, je commence à faire des liens un peu. Mais comme je te dis, j'ai eu la chance de le connaître un peu avant, ça fait que ça l'a aidé beaucoup. Puis là, vous avez joué ensemble cette saison-là? Ouais, on a joué ensemble quelques occasions pendant l'année, puis ça en série. Ça change-tu un peu le rapport? T'es-tu comme, c'est un peu bizarre parce que... Non, comme je te dis, je veux dire, c'était correct. Là. C'était, tu jouais-tu la même ligne que lui? Dans les séries éliminatoires, on jouait sur le même trio. Hein. Ah, c'est drôle. Ouais, on a eu, t'es obligé d'avoir une petite discussion avec l'instructeur. L'instructeur avait peur qu'il arrive quelque chose. On salue Kenneth Cook. Pour être sûr que tout était correct quand il a passé à cette idée-là. Mais non, c'est vous qui avez voulu parler. Non, c'est Hitchcock. C'est lui qui Hitchcock qui voulait être sûr que tout était correct. Est-ce que des fois, ça arrive que tu te fâches ou sur la glace? Ou tu... Non, c'est pas ça que je t'avais dit de faire. Mais... Pas vraiment. C'était pas ça. Tu sais, je veux dire, pour moi, c'était pas le problème de jouer avec Brandon. Non. Je traitais tout le monde égal. De la même façon. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes déjà pogné, comme on dit en québécois? Pas vraiment, non. On joue au golf très souvent l'été, puis ensemble. Puis c'est un bon joueur, puis moi, je suis un bon joueur aussi, puis on ne s'astine pas trop. Bon. Je pense qu'on est tous les deux pareils. Ça a bien été. Ouais. Brandon, ça aurait été un gars pour jouer dans les années 80-90 comme moi. Dans quel sens? Ben, c'était un old school hockey player. Ouais, ça, c'est vrai. Dans son style de jeu. Ouais, c'est un dur. Il aime ça le Heart and soul. Ouais, là, il aime ça dans le filet. Puis c'était pas. Mais il y a eu des saisons offensives, il faut dire, assez. Impressionnante. Ouais. Si ça se trouve, il y a eu des saisons plus offensives que toi, dans le sens qu'il y avait un rôle différent. Là. Mais quand il est arrivé, les années après moi que je suis parti, il a commencé à jouer avec Yuri Lehtinen puis Mike Modano. Ça fait que c'était. Dans son prime, ouais, Modano. Dans son prime, ouais. Mike Modano. Qui, d'ailleurs, est encore. Je ne veux pas dire stallé, c'est pas le mot, mais qui a terminé sa carrière à 1499 matchs. Parce qu'il a joué. Il y a une dizaine de matchs où Mike Babcock à Détroit, il a fait. Détroit, ouais. Non, je te ferai pas jouer la game de plus. On salue Mike Babcock. Ouais. On parle de ta carrière, tout ça, mais ça a commencé à Sept-Îles, cette affaire-là. Moi, je suis né à Sept-Îles en 1960. comme tous les jeunes, je pense que j'ai commencé. Oh, okay. Nous autres, les hivers étaient beaucoup plus longs dans ces années-là qu'aujourd'hui. Ouais. Le mot réchauffement climatique n'existait pas encore. Non, alors pour nous autres, tu sais, quand t'es arrivé au mois d'octobre, là, les lacs étaient gelés, puis... Octobre? Ah oui. Octobre, hey oui. Tu passais l'Halloween avec un suit... C'était long, pas loin. On se faisait des costumes par-dessus des suits de skidoo. Non, mais tu veux dire, les lacs, c'était le fun parce que les lacs gelaient vite. Ouais. Puis on n'avait pas encore beaucoup de neige, fait que tu sais, la glace était très belle. Puis c'est là que je suis devenu un bon passeur. Parce que sur un lac, si tu manques ta passe, tu cours après longtemps. Ouais, il n'y a pas de bande. C'est ça, il n'y a pas de bande. Tu peux en échapper, bien on rit, mais c'est vraiment... Ouais. C'est là que tu deviens créatif. Tu deviens un petit peu plus... Parce que aussi, les gens ont un souvenir de Guy Carbonneau comme d'un joueur défensif qui a gagné 3 hockey. Mais à la base, les gens qui t'ont vu jouer junior, qui t'ont vu, écoute, je l'ai noté, je ne l'ai pas oublié, tu étais une machine offensive des saisons, ouais. 141 points, 182 points en junior. Les deux dernières années, oui. Et ça, c'est pas un gars qu'on se dit, il va jouer sur le piqué, là. Non. Alors, je suis plus jeune, les gens ne savent pas, mais tu étais très, très, très offensif. Ben, partout dans le hockey mineur, tu sais, je veux dire, on en parle souvent, mais toute la majorité des jeunes qui ont un jour la chance de jouer dans la Ligue nationale, à un certain moment donné, t'es tout le temps un des meilleurs joueurs de ton alentour. Ouais. C'était la même chose à Sept-Îles. Je veux dire, à Sept-Îles, quand j'ai commencé à jouer, le talent offensif était tout le temps là. C'était, je dirais, pas facile, parce que c'est jamais facile pour que tu travailles pour tout. Mais j'étais meilleur que la majorité des joueurs avec qui je jouais. Plus tu avances dans le temps, plus les joueurs alentour de toi deviennent meilleurs. Ça, mm-hmm. ça te rend aussi meilleur, exactement. Y a-tu beaucoup de joueurs qui sont sortis de Sept-Îles à part ça? Steve Duchesne, Carl Dyckhouse. Oh, quand même. Ouais. C'est des gars qui ont eu des... Ouais, ah oui, des belles carrières. Toi, d'ailleurs, ils t'ont fait l'honneur ultime à Sept-Îles? Oui, une aréna, la deuxième aréna, la petite aréna qu'on appelle la petite aréna. Guy fait dire qu'il aurait préféré l'autre, n'est-ce pas? Non, c'était correct. c'était belle, faut que tu es encore là. Ben oui, je suis passé devant quand vous faites des choix. Ouais. Sept-Îles a une très belle salle de spectacle, je ne sais pas oui, si tu savais ça. Oui,
une des salles les plus appréciées par les artistes au Québec. Oui. Cette île. Vraiment le fun. Tu as été repêché par les Canadiens en troisième ronde, mais il faut que je précise que c'est 44e. Aujourd'hui, on appelle ça milieu de deuxième. On avait 21 équipes dans ce temps-là. Ouais, donc milieu de deuxième ronde aujourd'hui. Et c'est ça, j'avais pas conscience que tu avais commencé ta carrière. Aussitôt, tu as commencé en 82, après avoir joué un peu dans la Ligue américaine. Quand tu es arrivé, il y avait encore des Guy Lafleur. Il y avait encore Bob Gainey, Larry Robinson. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné qu'un gars, un Québécois qui grandit en regardant le Canadien, qui est repêché par Montréal et qui arrive dans ce vestiaire-là? Mais la première journée que tu rentres dans le Forum de Montréal, là, moi, je venais de Sept-Îles, j'ai joué à Chicoutimi, j'avais pas eu la chance de rentrer dans le Forum encore. C'est un gros cinéma, non? Oui, c'est ça. Ouais, aujourd'hui, oui. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que la première journée du camp d'entraînement, tu rentres premièrement dans le Forum. Dans ces années-là, on était 80 joueurs environ. Ça fait que tu avais 4 équipes de 20. Ouais. Puis, ma première journée de camp d'entraînement, j'étais sur le même trio avec Guy Lafleur puis Steve Schott. Et un moment. Fait que, tu sais, c'est un petit choc culturel. tu sais, les joueurs sont extraordinaires. Tu sais, ils savent tous qu'ils ont un job à faire, puis toi aussi, mais c'est intimidant. Il y avait des personnalités quand même aussi assez fortes, ces gars-là. Oui. Puis, tu sais, Chris Nylund, on peut le nommer dans ce temps-là. Knuckles. Moi, tu sais, je veux dire, Knuckles, c'est ça. Tu sais, moi, j'étais repêché en 79. C'était leur dernière année qu'ils ont gagné la Coupe Stanley. C'est que, tu sais, ils en ont gagné 4 en ligne. C'est que tu avais des... T'avais des beaux talents, t'avais des joueurs de caractère, puis tu sais, je veux dire, comme n'importe quoi, nous, on était là pour voler une job, mais eux autres, ils veulent pas se la faire valise, fait que... Tu sens cette compétition-là à l'intérieur? Il y a toujours une compétition, mais tu sais, je veux dire, une belle compétition. Ouais. Tu sais, je veux dire... C'était qui, toi, les gars, contre qui tu te battais pour un poste? Ben, dans ces années-là, t'avais Keith Acton, Pierre Mondou, Doug Risebrough était là, Doug Jarvis était là. Tremblay, Mario joue pas aussi. Je parle des joueurs de centre, Doug Wackenheiser, okay. Il venait d'arriver, je pense, en 80. Ouais. Fait que c'était joueurs-là. Puis la raison pour laquelle je suis allé à Halifax 2 ans, c'était justement à cause de ça. Ces joueurs-là avaient été établis, puis... dans ces années-là, surtout le Canadien de Montréal, d'aller faire tes classes dans la Ligue américaine, c'était important. Ouais. Mais c'est ça, la première année, j'étais pas déçu de retourner d'aller dans la Ligue américaine, mais j'étais correct. Puis j'ai connu une bonne saison, j'étais dans les meilleurs marqueurs de la Ligue américaine. La deuxième année, lorsque j'étais allé au camp d'entraînement, je pensais avoir connu un bon camp d'entraînement. Puis avec ce que j'avais fait dans la Ligue américaine, c'était un petit peu plus... Là, c'était un petit peu plus frustrant. Ouais. Parce que je pensais avoir fait assez pour éprouver que j'étais capable de demeurer ici. Mais quand je suis retourné à Halifax, on venait de changer d'instructeur. C'était John Brophy. OK. Qui était mon nouvel instructeur. Puis, souris. Oui, c'était souvent parce que c'est un dur de dur. C'est un gars qui a joué, tu ne connais pas John Brophy, il a passé sa carrière, je pense, dans l'East Coast League. Encore plus tough. Oui, il a dû jouer au-dessus de 20 ans. 20 ans dans l'East Coast League. Puis c'est un tough. Un tough. Mais, fait que quand je suis arrivé à Halifax, j'ai vraiment eu une belle rencontre avec. Puis tu dis pas que c'était un grand coach, mais c'était un gars qui m'avait... beaucoup aidé parce qu'il savait ce que j'étais capable de faire. Puis tout de suite, lorsqu'on s'est rencontrés, il m'a dit « Écoute, je sais que tu aurais mérité de rester, mais je vais t'aider. Puis, tu sais, travaille fort. Puis quand il va y avoir des scouts dans les équipes, dans les estrades, je vais te le dire. » Parce que lui, dans son speech, il m'avait dit « Écoute, le Canadien, tu sais, on avait 21 équipes dans ce temps-là. Il dit « Prouve aux 20 autres équipes que tu mérites de jouer dans la Ligue nationale. » Puis tu vas monter plus vite que tu penses. Fait que ça avait été une belle rencontre. Puis ça m'avait donné, au lieu d'avoir passé un mois peut-être à babouner puis à penser que j'aurais dû être là, tout de suite, la switch s'est mise à on. Puis j'ai connu une belle deuxième année, c'est ça. De tous les gars qu'il y avait à Montréal là, qui sont devenus des Hall of Famers, c'est lesquels qui t'ont le plus marqué ou qui... Dans ces légendes-là, les gars qui t'ont le plus appris ou auxquels tu t'es le plus collé, qui t'a le plus appris là-dedans? Ben écoute, c'est sûr que Bob Gainey va venir en haut de la liste parce que ça a été un de mes roommates
au début de ma carrière là-bas. Ouais. Puis j'ai commencé à jouer avec la deuxième année, un petit peu en première année, mais surtout la deuxième saison quand Jacques Lemaire est arrivé. C'est un gars qui parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, tu sais, je veux dire, tout ce qui, Laura qui était à côté, il disait les bonnes choses. Des gars comme Guy Lafleur, moi, je suis arrivé dans un temps où il était plus le joueur dominant comme il l'était avant, mais ça demeurait un joueur qui était respecté puis qui était adoré partout. Tu te promènes à travers le monde, ou même pas au travers le monde, mais en Amérique du Nord, avec des gars comme Guy Lafleur, puis des gars comme Larry Robinson, puis Bob Gainey à côté de toi, là, ça change, puis ça te fait réaliser d'autres choses. Surtout d'un point de vue leadership, c'est ceux qui te marquaient le plus. Ben Bob Gainey, Larry Robinson, c'était vraiment ces deux-là là, qui... Ils savaient comment gagner. C'est drôle que tu parles de Bob Gainey, parce que Bob Gainey, il était un personnage très récurrent dans ta vie. Ouais. Parce que Bob Gainey, tu l'as rencontré à ce moment-là. Ouais. Après ça, il est allé te rechercher à Dallas. Toi et tous les gars du Boys Club avec Scrooglin, Ludwig. Mike King, Craig Ludwig. Ouais. Et puis après ça, il t'a engagé comme coach. Il t'a mis comme assistant, il t'a engagé comme coach. Il t'a renvoyé. Ouais. Puis après ça, parce qu'on parlait du Hall of Fame, là, comme si la boucle n'était pas bouclée, c'est qui t'a remis ta plaque? C'est Bob Gainey. Qu'est-ce que ça te fait? Parce qu'il y en a beaucoup qui semblaient dire qu'après qu'il t'a renvoyé, ça a un petit peu refroidi votre relation. Ça a refroidi. Ouais. Je veux dire, c'est sûr que pour moi, c'était la première... Tu sais, quand je me suis fait échanger au Blues de Saint-Louis, ça a été extrêmement difficile pour moi. Ouais. Ça ne m'était jamais arrivé. J'avais jamais été échangé. Ouais. J'avais, même dans nos mineurs, n'importe où. Fait que ça a été difficile. Comme instructeur, c'était la même affaire. Tu sais, je veux dire, est-ce que c'était fair? Est-ce que c'était la bonne décision? C'est sûr qu'au début, c'est jamais la bonne décision. Tu penses que c'est pas jamais ta faute. J'en ai voulu pendant un bout de temps. Ça a rendu notre relation au neutre pendant un bout de temps. Mm-hmm. Mais, tu sais, je veux dire, au fil des ans, la chose s'est atténuée un petit peu. On s'est rencontrés une couple de fois pendant ces années-là. Au début, c'était bonjour, bonjour, salut. Après ça, mais c'était deux, trois phrases. Après ça, c'était une heure. Puis après ça, mm-hmm. Tu sais, je veux dire... Fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est... En avez-vous reparlé? Non, vraiment, non. Ça reste encore quelque chose que je suis certain que je comprends qu'il ne veut pas en parler. Ouais. Moi, c'est un peu ce qui me frustrait au début. J'aurais aimé, avec la relation qu'on avait, qu'ils me disent que je n'étais pas bon. Ou bien ou précisément, qu'est-ce qui marchait exactement. Pas. Exactement. Mais je peux comprendre que si c'est quelque chose d'autre qui veut le garder pour lui-même, ça, c'est correct. Comment il s'est ramassé être celui qui te remet la plaque au Hall of Fame? C'est qui décide ça? C'est le Hall of Fame qui l'a décidé. Okay. D'habitude, je pense que dans les années passées, le joueur qui était intronisé pouvait choisir, mais... Pendant ces années-là, il y avait quelqu'un qui venait, c'était vraiment un présentateur, là. C'était quelqu'un qui venait, qui faisait une petite allocution sur toi, et tout ça. Maintenant, ils ont changé ça parce qu'ils veulent rester ça dans le temps. Ça fait que c'est quelqu'un qui vient juste te présenter la plaque. Qu'est-ce que ça te fait que c'était... On voulait me le dire au début, puis j'ai dit non, je voulais que ça reste une surprise. Okay. Non, c'est ça. Ça fait que tu l'as appris en même temps qu'il le monde. Oui. Mais j'avais des idées que ça pouvait être lui. Oui. Mais non, écoute, j'ai toujours respecté Bob. La même chose quand j'ai parlé de mon échange tantôt. C'était Serge Savard qui était le directeur gérant. Puis il y a eu des moments froids dans ces années-là. Ouais. Puis je sais pas pourquoi, mais depuis 2-3 ans, on a fait plusieurs. Je ne dirais pas des promotions, mais on a eu beaucoup d'occasions où on a été capable de se rencontrer avec Serge, puis on s'est parlé, puis depuis maintenant, c'est comme, on n'en parle même plus. Là. Non, c'est toi qui avais demandé d'être échangé? Non, je n'avais pas demandé d'être échangé dans ces années-là. C'est sûr que j'avais 34 ans, j'avais eu des difficultés l'année d'avant, j'avais eu un mal, j'avais un genou qui on ne savait pas qu'est-ce que c'était. Ouais. J'ai passé des radiographies et tout ça. Ça avait été difficile. Puis, tu sais,
je comprends. C'était si tu regardes dans ces années-là, Larry Robinson avait été changé. Tu sais, tout le monde, à un certain moment donné, avait été à 34-35 ans dans ces années-là. C'était... Larry Robinson, avait-tu été changé ou il était parti à Jean Libre à L.A.? Ben, il était parti. Tu sais, je veux dire, à un certain moment, c'est parce qu'on voulait, plus t'avoir, ouais, c'est ça. Ça. Tu, sais, tu penses à autre chose. Fait que, tu sais, tout le monde a une date d'expiration. Exactement. Une fois que tu as compris ça. C'est drôle, parce que Serge l'a avoué là, par après, mais. Il était échangé au prof Caron, qui était à Saint-Louis, puis il était bien chumé avec le prof Caron, évidemment, puis je pense pas que ça serait aujourd'hui, mais en tout cas, il y avait une entente, mettons... Que je pouvais pas jouer le match. Le match, ça c'est une entente verbale, là, c'était pas dans le contrat, évidemment, mais une entente avec le prof Caron que la game où Saint-Louis revenait jouer, c'était même pas une vraie game, c'était une game pré-saison, qu'il venait jouer à Montréal, de pas t'habiller, parce qu'il voulait pas que les gens se mettent à scander Guy, puis d'avoir à gérer cette affaire-là. Je l'ai su, cette histoire-là. À l'époque, là... tu joueras pas, t'as Non, j'étais tellement fâché, j'étais tellement frustré, c'était avec aucun bon sens. Est-ce que tu doutais que c'était arrangé avec le gars des vues à ce moment-là? Ben, tu sais, j'y ai pensé, là, c'est sûr. Mais tu sais, quand ton instructeur vient te voir et te dit tu joueras pas à soir, là, je dis, voyons, ça n'a pas de bon sens, je joue à Montréal. C'est la première affaire que je veux faire. Je veux plus jouer à Montréal, gars. Oui, exactement. Puis, non, ça, tu sais, ça m'a passé par la tête, mais tu. Ça, tu l'as appris combien de temps après que c'était arrangé? Oh, quelques années après. Là, t'étais plus fâché, il était trop tard. Non, il était ça que ça. Mais Serge semble dire dans son livre qu'il regrette, qu'il trouve ça un peu bébé de sa part d'avoir été peut-être aussi loin dans les enfantillages. Ah, ouais. Mais il se dit, bon, je pense que Serge aimait avoir une mainmise un peu sur tout ce qui se passait. Non, mais c'était comme normal un peu. Là, tu veux pas... Il n'y avait pas de raison. T'sais, on parle de la fameuse photo avec le doigt, là, mais c'était pas la raison principale. Je pense qu'il y avait d'autres. Je veux dire, il y avait une panoplie de choses. J'étais à 34 ans, il y avait cette photo-là qui est arrivée. On était en conflit d'intérêts. On était en conflit entre l'association des joueurs et la Ligue. Puis moi, je représentais l'association des joueurs. Fait que tu sais. Toutes ces choses-là mises ensemble. Pour mettre les gens en contexte, là, les plus jeunes, dont je fais partie, mais parce que je sais, parce que j'ai des problèmes mentaux, puis je sais trop d'enfants sur le hockey, mais il y avait une fameuse photo du Journal de Montréal qui a été prise par un photographe. Sur un terrain de golf avec une. On était à 250 verges. Avec un zoom, c'est ça. Il avait pris une photo de toi qui faisait un doigt d'honneur, puis là, les gens, évidemment. Parce qu'on pensait que c'était une caméra de télévision qui avait été là, qui était là depuis une heure ou deux, là, puis qui voulait avoir des entrevues, puis qu'on voulait pas donner d'entrevue. Anyway, mais c'était. Ça avait fait la une. Ça avait fait la une, c'est ça, exactement. Bref. Et pour revenir à cette époque-là, bon, avant que tu sois échangé, là, mais quand tu as commencé à jouer au Placardien, ça faisait déjà 12 ans que tu étais là, mais quand tu as commencé 82, 86, là, on parle beaucoup de la Coupe de 93 pour plein de raisons, puis c'est la dernière, mais 86, c'est ta première Coupe Stanley. C'est la première, oui. Puis il y a un gars qui a même fait un livre récemment que tu as vu passer, peut-être que c'est. Je sais pas si c'est un autre journaliste, mais sur la Coupe de 96, qui dit l'équipe qui ne devait pas gagner. Comme quoi, c'était genre un genre de surprise, une surprise. Ben, c'était une surprise, oui et non. Écoute, c'est sûr, dans ces années-là, c'était plus facile de dire tu pouvais mettre deux, trois équipes dans un bol, puis dire OK, c'est ceux-là, ils ont vraiment une chance de gagner. Il n'y avait pas de cap salarial. Calgary avait une grosse équipe. nous, on avait connu une saison correcte. On n'avait pas bien terminé la saison. On avait un paquet de jeunes qui étaient avec nous autres. Stéphane Richer, Claude Lemieux, Patrick Roy. Patrick connaissait des difficultés. Oui. Jean Perron, à la fin, était controversé. c'est pas pense qu'on... C'est pas, il y a un déclic à un moment donné qui s'est fait. Quand Jean Perron a décidé que c'était Patrick qui allait commencer les séries éliminatoires, puis là, ben, tu sais, la décision d'une tout s'est ouvert en avant de nous autres. Je pense que Pittsburgh, qui était la meilleure équipe dans la Ligue dans cette année, avait perdu en première ou deuxième ronde. Les Nordiques, tu sais, je veux dire, c'est ça revient une couple de fois. 93, les gens parlent de votre coupe, mais une des raisons peut-être pourquoi vous avez gagné la coupe en 93 que personne ne parle, c'est que les Islanders ont tassé gentiment de votre chemin Mario Lemieux et toute la gang de Pittsburgh. C'est arrivé bye-bye. Fait que 86, c'est un peu la même chose. Une suite d'événements que tu peux pas contrôler qui fait que tac. Puis Patrick a été extraordinaire pendant les séries. On a eu des gars comme Claude Lemieux, des gars comme Stéphane,
se sont fait connaître puis ont eu des bons éliminatoires. Oui, Claude Demieux, c'était le but gagnant contre Hartford. Claude Hartford en 7, c'est ça. C'est tout en supplémentaire. Oui, Claude Lemieux! On peut dire, c'est sûr que si tu regardes tout ça tout le temps, tu dis tout le temps, ils ont été chanceux, mais... La chance fait partie Mais tu regardes l'alignement aujourd'hui, tu sais, ouais, pas tant de chance que ça. Là, Patrick Roy, on avait des bons. On avait une bonne défensive. On avait des bons vétérans. Puis les jeunes, tu sais, Ed Ronan, Serge Boisvert, tous ces gars-là, ils ont, à un certain moment donné, fait quelque chose d'important. Ouais. Même s'ils sont moins connus. T'es pas encore capitaine, mais t'as fini par être nommé capitaine. En fait, c'est un peu intéressant. Est-ce que tu te souviens comment ils ont procédé pour nommer le capitaine en 89? Ils ont fait un vote secret. 90. Ouais. C'est 89. Après la saison 90. Après la 90. Saison. Parce qu'on a perdu en finale contre Calgary. Puis je pense que Bob Guiney s'est retiré cette année-là. Il est parti de... C'est à l'été, dans le fond, automne 89. Et puis, ils ont fait un vote secret. Ouais. Les joueurs qui votaient. Ouais. Puis je pense que deux fois, le vote était égal. Ouais. Fait que, après ça, Serge Savard a décidé de garder ça dedans. Fait qu'ils ont fait un vote, c'était égalité entre toi et Chris Chelios. Ah, c'est ça, Chris. Ils ont fait, on va en faire le vote, visiblement. Personne n'a changé d'idée. Ou s'il y a des gens qui ont changé d'idée, ils se sont tous rebalancés. Puis ça a refait égalité. Ça, fait qu'il a décidé de... Fait qu'on faisait notre moitié-moitié. Ouais, c'est ça, vous aviez... C'est rare, ça, quand même. Un, c'est rare que ça arrive. Encore plus à Montréal. Ouais. Puis là-dedans, c'est comme il y a un franco, il y a un anglo, en plus. Ouais, disons que il y a eu bien des histoires là-dedans. Là, ça a été quelque chose qui était correct. Je veux dire, moi et Chris, on n'avait pas fait de fluff-là là-dedans. Non. On était tous bien contents d'être choisi capitaine. Personne ne pense que Chris Chelios était capitaine du Canadien. T'sais, ça a comme passé tellement rapidement. Je pense que ça a été quoi, même pas un an ou deux ans. Il a été échangé. Il a été échangé au début des années 90. Contre Denis Savard. Ça a pas duré. Parce qu'on pense à Chris Chelios puis son passage à Montréal... On se dit pas, ce gars-là va être capitaine parce que tout ce qui reste, c'est les années de party puis les anecdotes. Tu sais, c'est même rendu dans le folklore, dans sa chanson de quand il est décédé, le Bob Bissonnette. Ben. Il fait référence à. Tu sais, parce que la fameuse rumeur impliquant la femme de Ronald Coré est dans la chanson de Bob Bissonnette. Ben, tu te dis, le gars était capitaine du Canadien. C'est pas ce qu'on aurait pensé. J'ai revu des vidéos de. C'est la Coupe de 86, parce que c'est la seule qui a gagné à Montréal, mais j'ai revu une vidéo de la Coupe de 86, le défilé. C'était une autre époque, certainement. Mais écoute, il n'est pas capable de se tenir debout. Non, il a eu de la misère à rentrer sur le stage. Il y a un gars dont la job est de tenir Chris Chelios pour pas qu'il meure. Il va tomber en bas du chariot. Puis tu te fais, ça aujourd'hui, ça passerait plus. Là. Bref, vous faisiez de donner des verres depuis 7 heures le matin. non, c'est vrai. On avait passé 8 heures dans le tour pendant la parade. Ah, ça n'a pas de sens. Non. Chris Chelios, pendant que tu étais même capitaine, j'ai retrouvé ça, c'est vraiment une affaire aussi, encore une fois, quand tu parles d'une autre époque. Pendant que tu étais capitaine du Canadien, tu avais une chronique à la radio CKC, genre le courrier du capitaine, quelque chose. Tu te souviens-tu de ça? Non, je ne me rappelle pas. Comme quoi, tu avais une chronique genre, où comme il te parlait, on est avec Guy. Une fois de temps en temps, un peu aujourd'hui, comme ils font aujourd'hui avec les stations de radio, mais non, genre, c'est vrai que c'était différent dans ces années-là. Aujourd'hui, c'est bien plus contrôlé, je pense. Je pense que ça se ferait encore, puis ça serait bienvenu. Mais c'est sûr et certain que, tu sais, ça prendrait un joueur établi. Puis qui dirait pas de niaiserie. Là. Non, exactement. Ouais. Bon, oui, Kovalev, non, c'est pas vrai. Non, mais lui, il était plus volatile. Non, c'est ça. T'as fait une carrière, tu t'es rentré, c'est un mauvais début de phrase parce que ça peut. Mais t'as fait ton chemin jusqu'au Hall of Fame en défendant puis en bloquant les meilleurs joueurs adverses. Tu as toujours joué contre les meilleurs joueurs adverses. Puis c'était à l'époque aussi où on jouait beaucoup contre notre division. Oui. Donc, évidemment, tu as vu en masse les couleurs des Nordiques et compagnie. Et plein d'autres joueurs. Mais de tous les joueurs que tu as affrontés, c'était qui, je sais que tu fais souvent poser ça, mais le plus difficile à neutraliser? C'est dur de ne pas dire Gretzky juste à cause de la vision, puis Mario Lemieux. Tu sais, c'était deux joueurs tellement au-dessus de tout le monde. C'est sûr que au point de vue physique, Gretzky était plus facile parce qu'il était
ma grosseur. Ouais. Si je pouvais, physiquement, j'étais capable de être plus mec que moi. Mais j'étais pas gros dans ce temps-là. tu l'es toujours pas, justement. Physiquement, j'étais capable de contrôler, tandis qu'un gars comme Mario... 6 pieds 4. Ouais, tu sais, c'était plus difficile, mais c'était deux joueurs qui avaient des visions, tu sais, meilleures que tout le monde. Hallucinantes. Après ça, ben, t'avais un autre... Tu sais, t'avais ces deux-là. Après ça, ben, t'avais en dessous, là, t'avais des Merck Messier, des Peter Forsberg, des Steve Yzerman, Joe Sakic... Dale Hawerchuk. Les excellents. Là. Yeah, exactement. Des joueurs qui n'étaient pas mauvais non plus. Là. Ouais. Mais, mais des gars comme. C'est sûr que pour moi, des gars comme Messier, des gars comme Peter Stachny, parce qu'il était bon puis physique. Ouais. Stachny, tu le voyais en masse. On le voyait en masse. Puis tout le monde pense que il était tanné de me voir. Là, mais, c'est réciproque. Moi aussi, je n'ai mangé des coups. Ouais, parce que c'est ça que je t'ai déjà entendu dire qu'un gars comme Gretzky, mettons, physiquement, va pas commencer à donner des points sur la gueule. Non, c'est ça. Mais que si t'en donnais une à Stachny... Oh, oui, il répondait. Elle revenait. Oh, oui. Quand j'allais dans le coin avec, il se gênait pas lui non plus. Non, c'est ça. Puis en plus, il parle français. Ouais, ça tu sais, des gars comme Messi, c'était tellement difficile de jouer contre ces gars-là. Je sais pas si t'as lu ou entendu parler de ça, mais quand t'as été introduit au Temple de la Renommée, il y a un nouveau magazine numérique sportif qui s'appelle The Athletic. Ouais. Et Marc-Antoine Godin a écrit un article par rapport à ton intronisation, mais d'un angle assez original où il parlait pas à toi, il voulait pas savoir ton opinion. Il allait voir les gens contre qui tu jouais. Et il parle à des Joe Sakic, il parle à des Michel Bergeron ou tout ça. Sur tous les gars, c'était comment jouer contre Guy Carbonneau. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Non, mais j'ai pas regardé. Ça demande un abonnement. ça se peut que non? Peut-être. Je te le montrerai. Et il parle de ça et les gars parlent de comment tu étais. Contrairement, tu es un joueur défensif, mais vu que tu avais été un joueur offensif, ton intelligence du jeu faisait que tu n'avais pas nécessairement à être, comme on dit, à l'ombre de quelqu'un et le suivre partout sa patinoire de manière un peu, pas simpliste, mais tu sais, quelqu'un qui dit « OK, je vais rester avec lui ». Tu n'avais pas besoin de faire ça que par ta compréhension du jeu. Tu pouvais continuer à jouer, mais juste t'assurer pour que le gars soit neutralisé. Est-ce que c'est quelque chose que... Est-ce qu'il y a des gars que tu devais rester dans leur culotte plus que d'autres? Ça dépend des occasions. Ça dépendait des situations. Comme je le dis souvent, tu sais, j'étais une personne qui est visuelle. Ouais. Pas une bonne mémoire des nombres, des choses comme ça, mais je suis très visuel. Je vais à un endroit, puis je suis capable de... Puis j'étais un peu un nerd du hockey aussi dans ces années-là. J'aimais ça, étudier, puis penser, puis tout le temps sur la patinoire, ou même quand j'étais sur le banc, je regardais ce qui se passait. Ouais. Puis j'essayais justement, parce que dans ces années-là, les vidéos, là, n'étaient pas comme aujourd'hui. Là. Non. Aujourd'hui, c'est décortiqué. Moins YouTube. Non, mais c'est ça. T'avais pas YouTube pantoute, puis c'était un tape. Là. C'est VCR. Littéralement. C'était un VCR. Quand tu voulais retourner 25 minutes en arrière, là, ça prenait beaucoup de temps. Mais tu sais, on s'en servait pas beaucoup dans ces années-là. Fait que pour moi, c'était ma façon d'avoir un avantage sur les joueurs. Fait que en désavantage numérique, j'avais des idées, puis j'avais en le voyant, on jouait contre les Nordiques 8 fois. Fait que tout le monde a des tendances. Ouais. C'est sûr que les meilleurs joueurs, comme je dis, des gars comme Gretzky, des gars comme Mario, sont capables de changer ces tendances-là beaucoup plus souvent qu'un joueur normal. Ouais. Un joueur normal, sa tendance là, va revenir plus souvent qu'un autre. Tu sais qu'en telle situation, il va faire telle. Exactement. C'est un gars qui va se tenir à droite, un gars qui va se tenir à gauche. Il aime ça tourner à passer la rondelle, pas passer la rondelle. Il aime le lancer, il peut passer. Fait que c'était toutes des affaires que pour moi qui étaient importantes. Fait que je le savais. T'sais, un gars comme. T'étudiais. J'étudiais. C'est qu'un gars comme Adam Oates, qui était probablement un des meilleurs passeurs dans le national, c'était pas un gars qui. Si tu regardes son ratio de goal. Comparativement à ses assists, c'est disproportionnel. Fait que pour moi, en désavantage numérique, s'il voulait lancer, il peut le lancer de n'importe où. Ça me dérangeait pas. Tu vas plus chercher qu'à venir. Exactement. Fait que, j'essayais plus de bloquer ses lignes de passe. Ouais. Quand tu avais quelqu'un qui avait un tir plus foudroyant, mais là, j'essayais de me coller un petit peu plus à ce gars-là. Ouais. C'était toutes des petites affaires de même que je m'étais emmagasiné dans ma mémoire. Ouais. Puis quand j'arrivais sur la patinoire, mais ça me donnait l'avantage, une certaine avantage. Oui. Stachny est le deuxième meilleur marqueur de la décennie des années 80 après Gretzky. Entre 80 et 90, c'est lui qui a le deuxième plus de points après Gretzky. C'est quand même phénoménal. Ouais.
Et juste pour faire foi de ton travail défensif contre lui, je répète, c'est le deuxième meilleur marqueur de la décennie contre le Canadien. Stachny a une moyenne en carrière, là, Stachny match versus point. Il se situe autour du point par match contre Montréal. Je pense 78 en 76, quelque chose de vraiment autour du point par match, alors que Peter Stachny, contre n'importe quel de la Ligue, avait une moyenne bien plus élevée. Donc, ça, je pense que ça fait foi un peu aussi de la limitation que tu as imposée. Et on a parlé de Gretzky, puis on a parlé de Gretzky. On dit souvent qu'un joueur normal va avoir 2-3 options de jeu, puis Gretzky va en avoir 10 dans sa tête, parce qu'il va voir les pièces. C'est comme un jeu d'échecs. On parle de Gretzky, la fameuse finale 93 contre Wayne, puis je pense que Wayne dit encore que c'est un de ses plus gros regrets, c'est de ne pas être allé jusqu'au bout avec les Kings. Ça, c'est son problème. après le premier match de la finale, le Canadien a perdu ce match-là. Oui. Et tu serais apparemment allé voir Jacques Demers avec une certaine suggestion. Oui, j'étais allé voir Jacques pour qu'on me fasse... Jacques, dans sa vision de... On ne l'avait pas fait pendant les autres séries. Mais c'est sûr qu'on avait un trio avec Kirk Muller, Vincent Danfous, Brian Bellows, qui était beaucoup plus offensif, qui était capable de bien jouer défensivement. Ouais. Mais lui, dans sa vision contre les Kings de Los Angeles, c'était vraiment de faire jouer ce trio-là contre Wayne Gretzky. Ouais. Puis, je dis pas que c'est à cette raison-là qu'on a perdu, mais je pense que Gretzky, dans ce match-là, avait eu 4 points. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Puis moi, dans ce que ma vision de voir les choses, c'était ma façon de jouer. Ouais. Fait que moi, j'avais été voir Jacques pour lui suggérer, fais-moi jouer contre Gretzky. Ouais. Fais-moi jouer mon trio contre Gretzky. Puis ça va donner la chance à Kirk, puis à Vincent, puis à ces gars-là, qui sont là pour marquer des buts. Moi, j'étais capable d'en marquer des buts, mais c'était pas ma job. Mm-hmm. C'était que je dis, donne-moi Gretzky, puis laisse eux autres jouer contre quelqu'un d'autre avec lequel ils vont avoir bien plus de chances de marquer. Vous avez gagné les 4 matchs suivants. On avait gagné les 4 matchs suivants. Gretzky, je pense, en 4 matchs... Il a fait 4 points. Ouais, je pense que c'est comme ça. Presque rien. Mm-hmm. Et pendant ce temps-là, Kirk Muller et Johnny Leclerc se sont occupés mais c'est ça. Mais c'était juste ça. Puis je veux dire, je félicite Jacques parce que, tu sais, un autre instructeur a dit Laisse-moi coacher. Ouais. Comment c'était sa glace à Gretzky? Qu'est-ce que vous disiez? On était pas mal deux gars pareils. Tu sais, je veux dire, j'avais plus d'altercation avec des gars comme Stachny. Avec des gars comme Messier, des gars comme Ken Linsman, qu'avec des gars comme Steve Yzerman, Joe Sakic, Wayne Gretzky. C'était des gars qu'eux autres, ils embarquaient sur la patinoire, ils savaient qu'est-ce qu'ils avaient à faire sur la patinoire. C'était pas des jaseux. C'était pas, tu sais, je veux dire, c'était juste drôle. Une couple de fois contre Joe Sakic, quand tu jouais avec les Nordiques, que même, tu sais, je veux dire, ils pouvaient comprendre quand on était à la maison. À toutes les fois que eux autres embarquaient, moi j'embarquais. Ouais. Mais ils ne pouvaient pas comprendre des fois que. Parce que on faisait tellement. Nous autres, dans ces années-là, chez moi j'étais sur le banc, puis embarquait sa kick. On prenait la mise en jeu, puis le joueur de centre changeait tout de suite, puis moi je rembarquais. Fait qu'à un moment donné, l'instructeur de l'autre côté, il se dit bon, OK, soit que je reste ça comme ça, ou bien il va jouer contre n'importe qui. Fait que plusieurs occasions. Moi, j'étais sur la patinoire, puis l'instructeur embarquait Joe Sakic, puis là, Sakic me regardait en voulant dire, t'es pas sérieux, là. C'est nous autres qui a le dernier changement, puis je vais encore pogné avec toi, là. Je pense que j'avais vu, l'article de Godin, il dit que quand vous avez le dernier changement, puis qu'il te matchait contre Stachny, il avait dit à un moment donné à Stachny, regarde, reste le temps que tu veux, parce qu'à un moment donné, ça finira jamais. Puis il disait, ça me faisait rire, Bergeron, puis il dit, parce que souvent, dès qu'il embarquait, il t'embarquait, fait que là, il voyait Bobby Smith ça, sortir en sacrament de la patinoire. Il disait, si eux sont fâchés, ça, c'est bon pour moi. Puis regardez le coach en leur disant, là, on va-tu jouer? Parce que là, sinon, c'est ça qui arrive. C'est ça, dans ces années-là, tu du match. Ouais. C'était difficile pour un ou l'autre. C'est soit que tu embarquais dans ce que l'instructeur voulait faire ou tout le monde se frustrait. Oui. Puis en plus, c'est la 93, la fameuse courbe à Mick Surley. Ouais. Je pense que c'était pas Danfous ce qu'il avait vu, ça. On avait pas mal. C'est ça que je dis. C'est un peu moi qui ai dit à Jacques. Ouais.
on savait tous qui était illégal puis pas illégal. Ouais. Dans ces années-là, c'était un quart de pouce. Maintenant, c'est un demi-pouce. C'est beaucoup plus difficile. Là. Mais maintenant, il n'a plus des larmes illégales. Ben, c'est un demi-pouce. Ah, bonne chance. C'est ça. Pour regarder, il faut que vraiment qu'il soit... Mais un quart de pouce, c'était facile de voir s'il y avait une courbe ou non. Là. Ouais. Fait que, tu sais, nous autres, on avait 6-7 des gars qui avaient des courbes illégales. Ouais. Los Angeles, c'était la même affaire. Ouais. Puis le règlement que nous autres, on avait avec les trainers puis les joueurs, c'était dans la troisième période, si on menait par un but ou deux buts, si on menait en troisième période, surtout dans les dernières 10 minutes, tout le monde change le bâton. Ça, c'était connu. Vincent Danfous, il y avait, mettons, 3 bâtons dans le rack. Ouais. Il y en avait deux qui étaient avec une palette légale. Ouais. Fait qu'arrivait à la troisième période ou en dernier 10 minutes, il changeait son bâton. Tout le monde faisait la même affaire. Puis de l'autre côté, les Kings de Los Angeles, il y avait des joueurs qui étaient illégaux aussi. Oui, puis ils l'ont tous changé. Mais oui. Excepté lui. Ah ouais, OK, parce que il fallait que ce soit le joueur qui y pense, là. Ben, nous autres, Pierre Gervais arrivait à la troisième période, puis t'as-tu changé ton bâton? Okay. Il savait, lui aussi, le gars qui avait des bâtons illégaux. Puis, mais du côté de Los Angeles, tout le monde qui n'avait, ils avaient changé, excepté Marty McSorley. Ouais. Apparemment, que dans parce que c'était en overtime après. Ouais. Et en overtime, par exemple, les gars ont repris le bâton illégal parce que la règle. Moi, j'ai lu que la règle, c'est que tu peux pas, en overtime, appeler une punition de bâton. Ou tu peux pas deux fois dans le même game. En overtime. J'avais lu ça. Je sais pas si c'est vrai. Je pense pas que ça existait dans le temps, mais c'est sûr et certain qu'il fallait que le gars qui n'aurait pris sa décision-là, ça serait trompé. Apparemment, que quand McSorley a eu la punition, on retourne au vestiaire. Apparemment que Gretzky était fumant. c'est pour cette raison-là, ça aurait été la même chose de notre côté. Ben oui. Moi, je l'ai rencontré Marty après, puis oui, il était encore frustré, puis c'était cheap, puis ça. Mais c'était un règlement. Le règlement était un règlement, exactement. Je veux dire, oui, est-ce que c'est cheap? Peut-être, mais pour nous autres, on était dans une situation où si on perd ce match-là, on perdait 2-0. Là. Ouais. On se retournait à Los Angeles. Fait que ça valait la peine de l'essayer, mais à la fin de la journée, c'est lui qui s'est fait prendre. Fait que, c'est qui a vraiment été... Exactement. C'est toi qui a fait une erreur. Exactement, au final. C'est ça. Coupe de 93. Apparemment que ça a commencé, puisqu'on parle de la coupe, ça c'est en juin, mais... Vraiment que ça a commencé en septembre, que Jacques avait une idée en tête. Ouais, Jacques, il y avait un speech de préparer. Ouais. Ouais, il peut nous dire qu'on allait choquer le monde du hockey. Est-ce que vous le croyez? Vous étiez comme moi? Écoute, on s'est tous regardé de la gang en partant à rire un peu. On avait une équipe qui était encore jeune. On avait de bons vétérans encore, puis on avait Patrick. Mais c'est sûr, tu viens de changer de coach, là. Ça fait que c'est pas parce que ça, tout allait bien. Non. Ça fait que, c'est ça. C'était une déclaration. Personne n'en parlait après, là, mais à un certain moment donné, je pense que c'est plus ce qu'il a fait avant les séries éliminatoires. C'est un gars qui est. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un gars qui est extrêmement positif. C'est un gars qui était capable de te faire croire que tu étais le meilleur. C'est un gars qui était fair, dur, mais fair. Puis, pour lui, c'était... T'sais, on savait pas dans ce temps-là qu'il était pas capable de lire puis ni écrire. Non, là. C'est ça. Fait que, c'était une surprise pour tout le monde. Mais c'était une personne qui avait une habilité pour parler puis dire les bonnes choses. Oui. Puis, on a fait un paquet de serres avant les séries éliminatoires pour trouver une chanson. Qu'on faisait jouer avant chaque match. C'était quoi? Pas Gloria, mais... Ça, c'était l'autre. Non, c'est ça, c'était l'autre. C'était les Blues. C'est une tune en français, en anglais? Non, c'était en anglais. C'était les Sisters... Pas Twisted Sisters? C'était pas Twisted Sisters. Mon Dieu Seigneur, j'ai un blanc. Ils avaient fait une carte. Tu l'as-tu dans ton portefeuille? Non, j'ai encore la carte. Ça, c'est la carte de Jacques Demers. Oui. Tous les joueurs ils avaient donné une carte avant le début des séries. Wow! Puis avec tes initiales. Wow. Puis il fallait que tu l'aies sur toi à tous les jours. Est-ce que tu peux nous la lire? C'était marqué. Moi, je vais mettre mes lunettes. Ouais, ça. C'était teamwork. C'était coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success.
Il y avait quelque chose d'un motivateur, là. Ouais. Fait que, puis, wow. Fait que lui, c'était un gars, c'était ce genre de personnage-là. Puis c'était ce gars-là, tu sais. Fait que c'était. Positif, là. Ouais, 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 c'était tout à positif. Parce que, tu sais, là, avec tout ce qui sort sur les coachs aujourd'hui, tu sais, les coachs tough, puis tatata, puis ah ouais, dans la douche, moi, tu vas te battre. Jacques était un peu différent de son époque, non, dans ce sens-là? Ben, il était différent. C'était, comme je te dis, je pense que le fait qu'il n'était pas capable d'écrire, de le lire, tu sais, lui, la parole, c'était quelque chose qui était primordial pour lui. Ouais. Tu sais, c'était la seule façon pour lui de communiquer. Mais, tu sais, c'était pas il y a eu des moments où c'était difficile. Moi, je me rappelle, à un certain moment donné, contre les Blues de Saint-Louis, une année, il m'a fait pas jouer. J'étais pas supposé jouer. Pas une altercation avec, mais il m'était venu me dire « Tu joues mal, tu joues pas. Mm. » Là, mais moi, je pense que j'étais capitaine dans ce temps-là. Ça marchait pas pendant tout. Non, c'est ça. Mais, tu sais, il n'y a jamais personne qui m'a donné de coup de pied, une claque sur la tête pour me réveiller. Là. Non. Je pense que c'était normal dans ces années-là. Quand je jouais junior, là, ouais. T'en mettre 10 joueurs, 10-15 joueurs sur le bord de la bande à 3 pieds, puis il fallait que tu passes entre la bande et les joueurs, puis le gars te frappait. Alors, on a fait ça aussi, puis je suis pas mal plus jeune que toi. C'est ça. aujourd'hui, tu as essayé de faire ça. Là. Ben, c'est un peu épais. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pas très élaboré. Ben, ouais. Mais la différence entre. Tu l'as gagné en 86 et en 93, il y avait beaucoup de différences, mais c'est quoi qui tu t'avais à définir un peu la différence entre ces deux coupes-là, deux équipes-là? C'est sûr, écoute, 93, c'est sûr que tous les matchs en temps supplémentaire, là, c'était assez c'était assez stressant, c'était assez anormal. Puis, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, c'est le fun là, parce qu'on a gagné 10 en ligne. Là, mais c'est ça, 10 ou 12? 10, 10, 10, 10 ouais. Je pense qu'on avait joué 11, on a perdu le premier, ouais, je pense. Contre Québec. Ouais. Puis après ça, je pense qu'on avait on a eu 10 en ligne ou 10 ou 11 en ligne. Ouais. Mais, tu sais, quel record, je pense. Maintenant, là, tu te dis, après 2-3, c'est le fun. Là. Ça va pencher l'autre bord. Maintenant, ça va pencher l'autre bord. Mais on jouait avec beaucoup de confiance. Patrick, c'est pas quelque chose qu'il tentait, je pense. Que ça penche de l'autre bord. Non, c'est ça. Mais, tu sais, 86, on avait encore pas mal de joueurs qui avaient gagné la Coupe Stanley pendant souvent. Tu sais, Mario Tremblay, Larry Robinson, les autres n'avaient gagné 3, 4, 5. Là. Fait que dans la chambre, fait ça se sent. Tu le sens. Nous autres, dans 93, il y avait moi, il y avait Patrick. Je pense que c'était les deux seuls. Carlin, qui restait en 86. Là, ben, qui avait gagné les Coupes Stanley. Là. Ouais. Mais les autres, tu sais. Je pense pas que. Brian Bellows n'avait pas gagné, Kirk Muller n'avait pas gagné. Muller puis dans Fouss, c'était un échange l'été d'avant de Savard, puis les deux ont fini meilleur compteur, saison régulière et série. Fait que, tu sais, c'était un petit peu différent. On avait moi et Patrick, on avait l'expérience, hein, mais c'était pas pareil comme. Tu t'occupais du leadership, Patrick faisait peur à tout le monde, puis ça marchait. Ouais, c'est ça. C'est vrai que Patrick, des fois, il disait, il revenait entre les périodes, puis il disait, OK, là, j'en laisse plus rentrer. Fait que, allez-y. C'est arrivé une couple de fois dans les périodes supplémentaires. Là, vous marquez un but, moi, j'en laisse pas rentrer. C'est dans ces années-là, je sais pas pourquoi, mais je pense 93, là, si on regarde tous les matchs, là, on regarderait les matchs à la télévision, là, dans les 5 premières minutes à 10 premières minutes de chaque match, là, c'était comme si c'était un tourbillon dans notre zone. Puis Patrick se tenait sa tête, ça a fait. Surtout contre les Rangers de New York, je me rappelle une ou deux games, là, ça n'avait aucun bon sens. Mais, tu sais, puis on arrivait dans les séries éliminatoires, dans le temps supplémentaire, là, en première overtime, puis là, il disait, OK, les gars, relaxez, il y a un score qu'on passe, Ça donne confiance. Là. Eh bien là, c'est sûr que ça. On s'en occupe. Allons-y. On s'en occupe. Ouais, c'est un gars de parole, Patrick. Ouais. On parlait de Jacques Demers. Tout est passé. Justement, quand tu es arrivé, il y avait. Bon. Avant Jean Perron, c'était qui a coaché? Avant Jean Perron, il y avait Bob Berry. Lemaire. Jacques Lemaire. Et Perron, il y a eu. Pat Burns. Tu as eu Jacques Demers. Puis tu en as eu d'autres. Tu as eu Ken Hitchcock. De tous les coachs que tu as eu, c'est quel, selon toi, tu as eu ton coach préféré ou le meilleur coach? Ben, moi, j'ai toujours dit. Jacques Lemaire, tu sais, même si je ne l'ai pas eu longtemps, mais je pense que c'était un coach, un personnage qui, tu sais, lui avait joué la game. C'était un peu un... Un savant. Un savant, c'est ça. C'était un gars qui étudiait puis qui connaissait. Il connaissait qu'est-ce qu'il avait à faire puis il savait de quoi il parlait. Puis c'était un gars qui communiquait, même si c'était pas le plus grand communicateur au monde, là, il laissait rien au hasard. Tu sais, je veux dire, on avait
il y avait la bonne formule pour je dirais pas teacher, mais pour enseigner. Pour enseigner. C'est un enseignant. Ouais, pour enseigner. Puis quand tu arrivais, quand on avait des meetings, quand on avait une réunion, il n'y avait pas beaucoup de monde, en tout cas, à moins que tu soyais, que tu étais zéro, là. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui sortait de réunion puis disait, OK, je comprends pas. T'sais, tout le monde savait exactement leur rôle. Puis il expliquait, tu sais, puis là, pendant la réunion, si tu avais une question, il disait, tu sais, ouais, mais qu'est-ce qui va arriver si on fait ça? Ouais, s'il arrive ça, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on va faire, blablabla. Fait que, tu sais, il laissait rien au hasard. Puis je pense qu'il y a une raison pour qu'on performait bien sur la patinoire. Tout le monde parlait de la trappe, là. Mais la fameuse strate, il fallait que tout soit coordonné pour que ça fonctionne. Ouais. Je pense que c'est la raison pour laquelle on a connu du succès dans ces années-là. C'est parce que tout le monde arrivait sur la patinoire, puis tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Ouais. On le faisait. Tu n'avais pas d'hésitation, tu avais moins d'hésitation, en tout cas. Tu n'es pas le premier qui dit ça. Beaucoup ont dit que Jacques Lemaire était leur préféré. Ouais. Puis dans la biographie à Serge Savard, il parle que pour un coach, puis là, c'est drôle parce que plus tard, tu as coaché, là, mais il dit que tous les coachs finissent un jour ou l'autre par perdre leur chambre. Il dit que c'est arrivé à Burns, c'est arrivé à Jacques, c'est arrivé à Jean Perron. Il dit sauf un. Il dit Jacques Demers, est parti de son propre gré. Ouais, il est parti. Ouais. Là, tu vas me dire s'il était resté plus longtemps. Mais il avait un style très différent quand même. Justement, lui, c'est pour ça qu'il est parti. Il n'aimait pas la portion à être le coach puis la portion au public. Lui, il dit moi, je suis un prof, je suis un enseignant, je veux ça que j'aime. Mais c'est drôle que ça revienne. Y a-tu un coach que tu dis c'est le meilleur coach que j'ai, par exemple, le plus haï? Tu sais, parce que comme joueur, c'est sûr. Plus haï. Tu sais, il y a eu des Bob Berry quand j'ai eu dans la Ligue américaine. Pas dans la Ligue américaine. Bert Templeton dans la Ligue américaine, ma première année. C'était un tough. Pas beaucoup de respect pour je dirais que Bob Berry était correct. Mike Keenan, j'ai eu Mike Keenan à Saint-Louis. Tu sais, c'était Iron Mike. Tu sais, tout le monde t'a dit la même affaire. J'entendais quelqu'un parler de lui cette semaine. Tu sais, je veux dire, c'était un maniaque d'entre les deux portes d'une chambre de hockey. Ouais. Mais en dehors de ça, c'était comme... Tu sais, il pouvait te mettre au banc pendant trois périodes, te crier après pendant deux jours, puis t'arrivais le lendemain, puis ah, OK, on va aller prendre une bière ou... on va aller prendre un petit déjeuner. Tu sais, je veux dire, c'était... Pour me tuer, c'est ça, mais aussitôt qu'il arrivait d'une chambre de hockey, c'était lui, c'était vraiment essayer de mettre tout le monde contre lui. Intentionnellement. Vous allez tous maillir ensemble, puis vous allez être ensemble là-dedans. C'est ça. Brett Hall, qui te jouait à Dallas, lui, là, Mike Keenan, ça marche non, pas. Il a enlevé son C à Brett Hall à Saint-Louis. Tu sais, je veux dire, tu te regardes son parcours, partout où il est allé, la première année, il a changé le joueur le plus populaire. Dans toutes les équipes où il... Presque toutes les équipes. Parce que lui, c'est ça, il voulait mettre... Une équipe. Il voulait mettre l'équipe sur les aguets. Et s'il est capable d'échanger ce gars-là, il est capable d'échanger tout le monde. C'est bon. C'en est presque prévisible. T'es rendu non, c'est ça. T'as été à Saint-Louis 10-15 minutes. Après ça, qui est allé te chercher pour te ramener à Dallas? Bob Gainey, comme on l'a dit, Ludwig, Scrutlin, Kirk Muller, Mike King, tout ce gars-là, il a ramené ça. Et vous avez gagné la coupe. Vous avez une solide équipe. Mais c'était le fun parce que quand moi je suis arrivé, on avait, je pense que Bob commençait vraiment à, il avait essayé quelque chose, puis ça a moins bien fonctionné. Puis là, ben dans sa vision, là, il voulait ramener un peu de caractère. C'est ça, la première année, je pense que je suis arrivé là-bas, on n'a pas fait les séries éliminatoires, mais à chaque année, il ajoutait des morceaux. Johnny Wendyke, c'était pas un morceau. Ouais, puis là, ben, c'est ça. Quand on est arrivé ma troisième année, 97-98, là, ça a commencé à cliquer tout ensemble. Puis il a fait une coupe de. On avait connu une bonne saison 97-98. On avait perdu dans finale de conférence, je pense. Puis l'année d'après, mais c'est. All the way! Ouais. Avec, on rappelle, un certain Ed Belfour. Bon gardien de but. Mais y a-t-il quelque chose avec les gars du Canadien? Il y a comme une certaine confrérie, y a-tu comme un genre de lien? Parce que ça arrive souvent, c'est que les gars vont se rechercher entre eux, puis ils se réengagent entre eux. Puis... Ben, je pense que c'est important de. On voit beaucoup plus de jeunesse
sais, la jeunesse est importante aujourd'hui, mais le vétéran, tu sais, c'était dans ces années-là. Aujourd'hui, on a des difficultés à garder ces vétérans-là parce qu'un, ils vont faire trop d'argent ou ils ont pas le patin vraiment pour garder le rythme dans la Ligue nationale. Mais mm-hmm. dans ces années-là, un bon vétéran, ça valait de l'or. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'était de l'expérience, puis le fait que je pense que la raison pour laquelle il est allé chercher des gars comme moi, des gars comme Kurt Muller, pas des gars comme Brian Scudlin, Mike Keane, c'était justement par l'expérience qu'on avait ici. Tu sais, jouer à Montréal, il n'y a rien de facile, mais c'est, ça te montre comment gagner. Puis on savait comment gagner parce qu'on l'avait fait dans le passé. Ça fait que, puis ça, mais il ne l'avait pas. Il y avait de très bons joueurs, là, Mike Modano, dans ces années-là, Darren Hatcher, Sergei Zubov, ces gars-là de même, mais il n'avait pas eu la chance justement de gagner de la Coupe Stanley. Fait que lui, dans sa vision, dans sa tête, c'était d'amener une coupe de ces joueurs-là de caractère, du papier sablé un peu. Ouais, la colle pour tout ça. C'est ça. On se souviendra de la finale de 99 pour « The foot in the crease ».« The foot in the crease ». Brett Hall qui a marqué, c'était-tu en overtime? En overtime. Le but dans la... Troisième overtime, je pense. Je vois la photo prise d'en haut avec Hachek qui est comme étendu du tout son désespoir. Ouais. Et à l'époque, la règle, c'était que... C'était en tout cas, une règle un peu bidon, là, mais c'était que si t'avais le pied, c'était pas un but. Mais là, lui, il marque. Là, c'est fini. Les gants partent dans les airs. Tout le monde sort. Est-ce que dans le feu de l'action... vous saviez que c'était... Non, il n'y a personne, y a vraiment personne qui a pensé à ça ou qui a réalisé qu'est-ce qui venait de se passer. Ouais. Tu sais, on était, je pense c'est la deuxième ou la troisième supplémentaire. Tout le monde était fatigué. Je pense que c'est game 6. Ouais. Tout le monde est fatigué. Ouais. Il était déshydraté, blablabla. T'as hâte que ça finisse. Ouais. Puis nous, c'était la chance. Surtout, on avait surtout hâte parce qu'on pouvait gagner. Ouais. Si Buffalo gagne, on avait une game 7. Puis là, le but. Puis lui, Brett, en première période, s'était fait mal un genou. Alors, il avait raté. Il avait presque pas joué les deux dernières périodes. OK. Puis à un certain moment donné, je pense que c'est Benoit Hogg ou Mike Keane a brisé une lame de son patin. Fait que là, pour garder la rotation, il a demandé à Brett s'il était correct, puis il a embarqué, puis il a scoré. Fait que, tu sais, mais tout le monde a sauvé sa patinoire. Pas eu d'entendu parler. Buffalo sont sortis. Les célébrations ont commencé. On a reçu la Coupe Stanley. On a pris des photos. Ça a pris des photos avec les enfants, les parents, sur la glace pendant... Tu sais, je veux dire, on était sur la glace pendant au moins 45 minutes. Après ça, on s'est allé dans la chambre. Puis là, dans la chambre, tout le monde a commencé à se déshabiller. Puis on a fêté, puis le champagne, puis le cigare. Puis c'est un peu plus tard, je te dirais, là, une heure et quart, une heure et demie. Je veux dire au moins une heure après la fin du match, que là, dans la chambre, ça a commencé à murmurer que Lindy Ruff, qui était l'instructeur de l'autre bord, avait été voir les arbitres pour dire que le but n'était pas bon. Dans ce temps-là, toute la gang est chaud. Ah oui, c'est ça. Il était trop tard. Puis je pense que la Ligue nationale l'a réalisé parce qu'ils ont changé le règlement. Pas longtemps. Pendant le temps, c'est ça. Ah, wow. Tu sais, je veux dire, on pouvait comprendre que c'était quoi le but du règlement. Là. C'était pas de faire de l'obstruction au gardien de but. Ouais, c'est ça. C'était pas exactement dans l'essence. Non, c'est ça. Brett Hall, qui est apparemment tout un personnage, Brett Hall. Oui. On pourrait qualifier Brett de bon vivant. C'est un très, très bon vivant. C'est un gars qui n'a pas peur de parler, puis il n'a pas peur de dire ce qu'il a à dire. As-tu des histoires avec Brett Hall? On dirait que ce gars-là, on dirait qu'il vient avec des anecdotes. Non. Il se raconte pas. Non, mais je veux dire, c'est un de mes bons amis. J'ai adoré jouer avec ce gars-là, puis j'aime ça être en sens. Mais c'est sûr que c'est pas un gars facile. Il faut qu'il soit entouré. Je pense que c'était un peu la raison pour laquelle il a connu du succès. Il avait connu du succès avant, là, mais il n'avait jamais gagné la Coupe Stanley. Je pense qu'à Dallas, c'était une de nos forces. On avait le leadership était extrêmement solide. Fait que lui, il y avait toujours quelqu'un qui était alentour de lui pour lui dire là, arrête. C'était pas obligé de. Ça ne te donne rien de faire ça. Lui est correct. Parce que c'est un gars qui aime chialer après tout. Ouais. Lui, il ne pouvait pas comprendre qu'un gars n'était pas capable de lancer sur réception ou frapper le coin quand le but est ouvert.
Là, je dis, tu sais, j'ai des affaires. Je dis, Brett, sur 10 rondelles, tu vas en mettre 8 dans le coin, droite. Ouais. Moi, je vais en mettre 4. Ouais. C'est quand même que j'ai assisté. C'est comme ça. Fait que, tu sais, lui, il ne fait pas comprendre que quelqu'un n'était pas capable de faire ce qu'eux font. Ce qu'elle lui fait. Ce qu'elle lui fait. Fait que ça, c'était des choses qu'il fallait que tu lui rappelles tout constamment. Puis le fait qu'on avait plusieurs gars qui étaient capables de le faire, ça le calmait. Brett Hull, un des meilleurs compteurs de l'histoire des saisons de 86 buts. Fait pas tout ça, Brett. Exactement. Pendant que tu étais à Dallas, tu as eu un timing qui a fait quelque chose d'assez incroyable. Tu étais à Montréal pour la dernière game au Forum parce que les Canadiens jouaient contre les Stars. Puis il y a eu une cérémonie à la fin où c'était les capitaines se donnaient le flambeau, puis toi, tu es un capitaine. Puis tu as pris part à la cérémonie. Fait que c'est quoi? T'es-tu allé te changer quand la game Je pense qu'on savait qu'il allait y avoir une cérémonie, puis la quitte. Tout le monde en avait parlé, là, mais il y avait rien encore de ben, en tout cas, c'était vraiment après que j'ai su que j'avais la chance d'aller sur le tapis. OK, t'avais pas dit ça d'avance, toi? Je me rappelle pas, mais si c'était avance, c'était à, mais, peut-être qu'ils ne voulaient pas nous déranger à cause du match. OK. Mais tout de suite après le match, là, ils sont venus me voir et m'ont dit écoute, dépêche-toi, là, tu vas avoir la chance d'aller l'autre bord. Puis pas. Tu peux t'enlever ton chandail. Oui, mais c'est là, mais j'avais pas une douche assez vite. Oui, c'est ça. Et de Guy Carbonneau à Pierre Turgeon. C'était extraordinaire. Ouais, c'était vraiment une belle cérémonie. D'avoir tout le monde. Oui, cette cérémonie-là, c'est la fameuse ovation de Maurice Richard. Maurice Richard, tu sais, t'avais tout le monde était là. Tout le monde était en vie. Maurice Richard, c'était une ovation de... Ouais, 7 ou 8 minutes. Ouais, c'était ça. 5, 6, 7 minutes. C'était peut-être... T'as même pas en haut de 10 minutes. Je me rappelle... Je sais pas pourquoi j'ai 7 dans ma tête. Mais 7, c'est long. Oui. 7 minutes d'applaudissement non-stop. Puis Maurice qui dit au monde, asseyez-vous, c'en est assez. Ouais. Mais t'as vécu ça quand même. Tu faisais partie de ça. C'est quand même spécial. Non, c'était vraiment une belle... un bel événement. Très cool. Puis, ouais. Je peux pas te laisser partir sans te parler de coaching. Les gens... les plus jeunes t'ont pas vu jouer. Non. Moi, je t'ai vu jouer un peu à Dallas. Je me suis encore dans la Coupe de 99, puis... partir d'un mariage, puis ouvrir la télé, puis en tout cas, bref, puis l'année d'après. C'était pas Jason Arnott avec les Devils l'année passée que vous avez? Le sixième match en overtime. Je prenais pour Dallas à l'époque. T'as commencé à coacher après ta retraite, une couple d'années. T'as commencé comme assistant avec Terrien un peu. Oui, quand je suis arrivé ici, après ma retraite, j'espérais que Bob me garde à Dallas avec l'organisation. Pour travailler un peu dans les bureaux là-bas. Je pense qu'il avait déjà parlé avec... c'était Régent Howell qui était ici. Mais Régent voulait que je revienne ici à travailler avec lui dans les bureaux. Je dirais pas assistant GM dans ce temps-là, là, mais comme consultant puis pour essayer d'aider. Puis c'est ce que j'ai fait. Mon épouse, on a redéménagé ici à Montréal. Pas redéménagé parce que j'avais gardé ma maison. Là, mais on est revenu ici à Montréal. Puis là, mais j'ai commencé dans les bureaux. Ça fait que essayer d'apprendre c'était quoi travailler dans le hockey, le management un petit peu. Puis au mois de novembre, on a décidé de mettre l'instructeur à la porte. Régent avait décidé de mettre Alain Vigneault. Puis il était venu me voir pour me demander. Puis j'avais dit, écoute, si tu trouves quelqu'un avec qui je m'entends bien, je vais aller derrière le banc avec. C'est là que Michel Therrien est arrivé. Est-ce que ça se peut qu'en renvoyant Alain Vigneault puis en engageant Michel Therrien, lui-même, Régent, s'est fait renvoyer? Oui. On ne savait pas. On ne savait pas, nous autres. Mais c'est ça, le président avait une autre idée dans la tête. Je ne sais pas si c'était le lendemain, mais c'était pas longtemps après. C'était-tu Corée ou Boivin à ce moment-là? Je pense que c'était Boivin. Oui, Boivin, oui. C'est ça. C'est que Michel est arrivé. J'ai rencontré Michel dans la nuit parce que pendant qu'on n'est pas tout ça. On dirait de la contrebande. On l'avait fait venir. C'est ça parce que lui était à Québec dans ce temps-là. Je pense que notre équipe, les Citadelles, était là. On l'a fait venir dans la nuit. Il était arrivé. On l'avait parlé. Puis là, il avait accepté de coacher. Puis moi, j'avais accepté d'être derrière le banc comme assistant coach avec lui. Fait que ça a duré, cette histoire-là, 2 ans et demi. Après ça, Pierre Gauthier qui a pris la relève, je pense. Tu veux dire du Canadien comme GM? Non, c'est pas Pierre Gauthier, excusez. C'était André Savard. C'est André Savard qui avait remplacé Régent Hull. Puis moi, en tout cas, j'ai fini, j'avais signé 3 ans
avec le Canadien, puis j'avais été instructeur comme 2 ans et 3 quarts, ouais. 2 ans et demi, 2 ans et 3 quarts. Puis à la fin de ce stage-là, Bob Gainey, qui était à Dallas, avait laissé sa job. Puis c'est un de mes amis, Doug Armstrong, qui avait pris la job de GM à Dallas. Okay. Puis moi, mon contrat arrivait à échéance avec le Canadien de Montréal, puis il n'avait pas été renouvelé. Fait que je suis retourné là-bas à Dallas pour comme assistant GM. OK. Puis je suis demeuré là pendant presque 3 ans jusqu'à temps que Bob, justement, m'appelle ou appelle Doug Armstrong au début de janvier pour voir si coacher, ça m'intéresserait. Puis là, t'as commencé comme assistant à Bob Gainey. C'est ça. Parce que moi, lui, quand il est venu me voir au mois de janvier, là, il voulait que je coach. J'ai dit, écoute, j'avais pas l'expérience d'instructeur dans la Ligue nationale. Mais même dans l'hockey mineur, t'avais... Non, j'ai dit ça. Dans rien. Dans la Ligue mineure. J'avais joué. Moi, j'étais juste joueur. Ça fait que... Ça, on verrait plus ça aujourd'hui. Non, fait que c'est pour ça que quand je lui ai dit que c'est quelque chose qui m'intéresse, puis là, j'ai... Parce que moi, je savais que Bob avait déjà fait un peu de coaching. Ça fait que j'ai dit, écoute, on finit la saison comme coach. Moi, je vais être assistant coach avec... Puis là, tout le monde se doit savoir qu'à la fin de la saison, c'est moi qui vais être coach. La dernière game ou à l'année, ou peut-être qu'un mois plus tard, là, ça a resté que lui était coach, moi j'étais assistant coach, mais dans la tête de tout le monde, puis tout le monde savait que dans l'organisation, que c'est moi, une fois que la saison était terminée, c'était moi qui allais être coach pour le Canadien, pour whatever. Ouais. Puis c'est ce qui est arrivé. Puis c'était après, mais Bob, c'était parce qu'il a renvoyé... Chaterien qui est devenu coach, c'était pas ça? Ou il a envoyé Claude Julien ou. Je pense que c'était Claude Julien, ouais. Mais c'est ça. Lui était venu me voir. Lui était venu me voir à Dallas. Moi, j'avais été le voir il m'avait parlé à Dallas. Ouais. L'équipe était à Denver, Colorado. Fait que ouais. Je suis allé à Denver. On s'est rencontrés dans un restaurant. Puis c'est là qu'il m'a. J'aimerais que tu coaches le Canadien. Puis, il m'a donné une couple de jours pour y penser. Puis, là, quand je l'ai rappelé, j'ai dit correct, mais je veux y aller comme assistant coach jusqu'à la fin de l'année pour être sûr que tout est correct. Ouais. Puis après ça, je vais être correct. Voilà. Parce que, comme tu l'as dit, c'est l'affaire que je me pensais. Puis, je me disais, ça peut juste arriver à Montréal. Ça, c'est quelqu'un qui n'a jamais coaché. Maintenant, ils vont universitaire, ils vont junior majeur. Est-ce que tu penses qu'on va revoir ça aujourd'hui? Parce que maintenant, les gars, ils viennent... Ça dépend. Je pense que ça se fait dépendamment du joueur. T'sais, je veux dire, il y a des joueurs qui... Je veux dire, moi, je l'avais déjà fait. J'étais assistant coach. Je pense que j'ai joué assez longtemps avec Bob pour savoir... Il me connaissait comment est-ce que je pensais, comment est-ce que je voyais les choses. T'sais, je veux dire, est-ce que ça a été facile au début? Non. Je veux dire, mais t'sais, j'avais tout l'été pour me préparer. Puis même pendant toute la préparation que j'ai fait pour les pratiques, toute la saison au complet, tu arrives ton premier match, tu sais jamais comment est-ce que tu vas réagir derrière le banc. Tu sais, je veux dire, il y a des situations, puis tout le monde dit, ouais, mais tu n'avais pas d'expérience. L'expérience, ça se gagne. J'ai déjà joué au hockey. Je savais comment faire des changements, je savais que c'est, mais c'est sûr et certain que le feeling d'un match, comment est-ce qu'un joueur se maintient, tu sais, est-ce que je le change tout de suite? Tu sais, on en parle à Claude Julien, on regarde le Canadien, puis on dit tous la même chose. Cette année, Claude Julien, ou l'année passée, vers laquelle, tu sais, il a vraiment changé son style. Puis ça fait quoi? Ça fait 30 ans qu'il coach. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Ça veut dire que j'étais un bien meilleur coach la deuxième année, j'étais un bien meilleur coach même quand il m'a mis dehors. Ouais. Parce que tu apprends à réagir sur cette situation. C'est une des situations que je regrette. Je pense que j'avais... Craig Rivet, je l'avais mis dans les estrades un ou deux matchs. Puis c'était un vétéran, c'était un gars. Je regrette... C'est pas de l'avoir mis dans les estrades parce que je pense qu'il méritait. C'est de la façon dont ça a été fait. Mm-hmm. J'aurais dû le faire d'une façon différente. Fait que tu sais, t'apprends tout le temps, t'apprends chaque jour, tu apprends à connaître tes joueurs. Aujourd'hui, c'est tellement difficile parce que tu as tellement de nouveaux joueurs à chaque année. C'est plus les mêmes, dans mes années, on pouvait avoir un groupe de 12 à 15 joueurs. L'année d'après, ça va intervenir. Tu vas changer 2, 3, 4 joueurs. Aujourd'hui, tu peux en changer 10, 12 dans une année. Ça, c'est difficile de garder le contact avec tout le monde, de savoir comment est-ce que ces gars-là vont réagir à des différentes situations, puis le hockey a changé. Mais c'est quoi que t'as appris le plus à la dure, tu trouves? Mais moi, je parle beaucoup, là, mais je suis pas une personne qui est ouverte. Je suis pas un livre ouvert. Moi, je suis pas un gars qui va de l'avant pour parler. T'sais. Puis c'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours cru qu'un gars fort va toujours s'entourer de gars forts.
je connaissais mes forces, mais je connaissais aussi mes faiblesses. Mm-hmm. Ma faiblesse, c'était justement le contact proche avec les joueurs. Puis c'est la raison pour laquelle un gars comme Kirk Muller, avec moi, c'était important. Parce ouais. que Kirk, je l'ai dit, il peut rentrer dans un autobus d'inconnu, puis une heure plus tard, il connaît tout le monde. Ouais. Puis ça, c'est important. Ça, c'était difficile. Aujourd'hui, les joueurs veulent, c'est ça. Aujourd'hui, les joueurs veulent savoir tout ce qui se passe à la patinoire, tout ce qui ne s'est pas passé à la patinoire. Ouais. Puis moi, dans mon temps, c'était pas de même. Ça, ouais. Je n'ai pas été élevé de même, puis j'ai pas été passé ma carrière à faire ça. J'ai essayé de régler tes problèmes toi-même. Ouais. Je comprends qu'il y a des certaines choses qu'il faut que tu sois capable de te dire puis de donner l'information. Mais il y a des informations c'est pas de l'affaire du joueur. C'est, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pris cette décision-là, je peux y expliquer, mais j'ai pas obligé de la décortiquer. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, moi, c'était un peu ça que j'avais de la misère. Tu sais, le joueur venait me voir après le match ou comment ça se fait que j'ai pas joué sur le power play hier. Là, je dis, quel power play? Tu sais, le deuxième power play, j'ai pas joué. Mais si tu veux, je te dis, c'est parce que soit que je t'ai oublié ou je voulais pas que tu joues sur le power play. Il y avait pas d'autre explication, tu sais, j'en ai pas d'autre. Ça, j'ai appris à dealer avec ça. Ça, au début, j'avais de la difficulté. Les gars dans votre époque, ils ne demandaient pas ça au coach. Tu disais, quelle place tu veux que je joue? Oui, parfait, merci. Aujourd'hui c'est moi, je veux jouer à l'aile gauche. Oui, mais j'ai déguisé l'aile gauche, j'en ai quatre. Oui, mais je veux. T'as un autre. Parce que c'est pour eux autres, tu sais. Ouais. C'est comme ça. Fait que ça a été, je dirais pas difficile, mais quelque chose qu'il a fallu que je m'ajuste. Tu sais, comme joueur, ben, c'est drôle, parce que plein de choses qui me viennent en tête, mais d'une part, il y a un joueur que tu as coaché qui est venu au podcast, qui avait parlé directement de ça, puis c'est un très bon. Tu es en bon contact avec lui, là, ça, si tu te demandes qu'est-ce que je dois dire. Hein? Non, mais tu sais, Steve Bégin qui est venu au podcast, puis Steve, il disait, tu sais, moi, j'avais de la misère parce que j'allais voir Guy, puis j'ai demandé qu'est-ce que je peux faire, puis tu sais, il était comme, ben, je suis pas mal ça, là. C'est juste que t'es pas d'implant. Fait qu'il était comme, ah, c'est tough. Puis, tu sais, c'est un gars tellement jaseux, oui, Steve. Ça, ben oui. Puis, il essayait de trouver. En même temps, Guillaume Latendresse est venu au podcast. Puis, Guillaume, il était content. Il a dit, moi, les gens, on dit ce qu'ils veulent, mais il dit, moi, je l'ai bien aimé, Carbo. Puis, quand j'ai un enfant, puis que j'ai été cogné à sa porte pour lui dire, un Québécois qui a un enfant à Montréal, il m'a expliqué, puis qu'il avait bien aimé ça ou ça. Mais, t'as appris au fil de ces affaires-là. T'as été chercher un respect comme joueur, dans ta carrière de joueur, comme coach. Est-ce que t'as été capable d'aller chercher le respect comme coach? Je pense que j'ai pas été là assez longtemps. C'est sûr, comme je pense que tu parles à certaines personnes, tu sais, des gars comme Guillaume, puis je suis certain qu'il y en a d'autres, là, avec lesquels ça a été plus facile, il y avait une meilleure relation. Je pense que tous les coachs, c'est la même affaire. Je veux dire, t'essaies. Moi, j'ai beaucoup plus de respect pour les instructeurs aujourd'hui que j'en avais peut-être quand je jouais. Ouais. Parce que c'est toujours le faux. Si tu connais ta meilleure saison de l'année, c'est parce que j'étais cohérent, je me suis bien entraîné, puis j'ai été chantier, j'ai travaillé fort. Puis ça. Mais si tu connais pas une belle saison, ben c'est le coach. Quand ben, il me comprend pas, il ne fait pas jouer avec les bons joueurs, il ne fait pas jouer à la bonne place. Tu comprends ça. Je pense que tous les gars qui ont de l'expérience aujourd'hui dans le coaching, que ce soit n'importe quel sport, ils comprennent ça. Ça fait partie de la situation. Puis surtout avec les salaires aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, moi, dans mes années, le casse-tête, tu sais, une équipe, moi, j'ai toujours dit que c'était un casse-tête. Puis dans ces années-là, les morceaux étaient beaucoup plus faciles à changer là, parce qu'ils étaient tous ronds. Ou bien, aujourd'hui, tu en as toutes les sortes des morceaux. Là. Fait que quand tu manques un morceau, là, il est dur à remplacer. Puis ils viennent tous d'endroits différents. D'endroits différents, c'est ça. Puis tout le monde tout le monde tire la couverture de leur bord. Nous autres, on veut pas l'argent à une signification puis un rôle à jouer là-dedans. Ben, t'as dit, je pense, ta dernière année, l'année que tu t'es fait travailler, t'as dit que t'avais. À la conférence de presse, t'avais 11 agents libres sans restriction cette année-là? Quelque chose comme ça. Comme quoi, c'était difficile d'arriver avec 11 gars qui sont comme, ouais, là, moi, dans 15 minutes, j'ai plus de job, faut vraiment que. Moi, je vais faire des vidéos. On regarde aujourd'hui, tu sais, Max Domi, là, je l'adore. J'en veux 4 demain dans mon équipe. Ouais. Mais c'est quoi la différence entre Max Domi l'an passé et Max Domi cette année? Moi, je pense que c'est ça, c'est son contrat. Parce que lui, là, avec la saison que l'année passée, s'il fait la même saison, là, il collecte. Puis là, il n'y a pas
tu sais, ça a mal commencé. Puis là, ben, il joue pas avec le bon joueur. Il est pas ci, il est pas ça, il est pas content. Comment ça fait que je suis pas sur le power play à première, petit, à première partie? Fait que c'est toutes ces petites situations-là. Ça fait que ça, c'est un peu normal. Fait que. Tu ne demanderas pas aujourd'hui, mais demande à Max Domi dans 10 ans, quand il va avoir terminé sa carrière, qu'est-ce qu'il pense de Claude Julien. Ouais, ça. Il va peut-être avoir une opinion différente. Ouais, mais ça, c'est normal. Puis je pense que quand tu coaches, tu comprends ça, puis tu vis avec. Mais t'avais, toi-même, tu avais dit que t'étais quand même un peu, dans ta personnalité, tu étais assez coq aussi. J'avais confiance en moi. Personnalité, tout ça. Puis il y avait beaucoup de caractère dans cette chambre-là. Oui, il y avait beaucoup de caractère, mais tu sais, je veux dire, dans mon année, moi, j'aurais pu, tu l'as dit tantôt, j'avais 141 points, 182 points mes deux dernières juniors. Ouais. J'avais fait 90 points et plus mes deux années dans la Ligue américaine. Tu sais, j'aurais pu arriver ici et dire, jouer défensif, vraiment, t'es-tu sérieux? Ouais. Changez-moi. Mais c'était pas ça de même. Dans cette année-là, c'était pas comme ça. C'était-tu un choix, ta transition? Comment c'était? C'était pas un choix. C'était une opportunité pour moi de jouer plus. Ouais. C'était avec une conversation avec Jacques, puis Jacques Lemaire. Sa vision d'une équipe, c'est qu'il voulait avoir un joueur qui jouait bien défensif, qui jouait contre les meilleurs trios de l'autre côté. Fait que pour moi, ça me donnait, au lieu de jouer 5 minutes par match, j'en jouais 20. C'était un no-brainer. Là. C'était comme, OK, où est-ce que je signe? Ouais, c'est ça. Puis j'ai jamais pensé que ça allait affecter mon offensive. Tu n'as jamais été amer de ça? Ben non. J'avais du succès. Ouais, on gagnait. Tu en as fait ton pain puis ton beurre. Exactement. T'sais. Puis pour revenir au coaching, c'était un timing spécial parce que c'était le centenaire. Il y avait beaucoup de distractions. Ouais, il y avait beaucoup de brouhaha autour de cette affaire-là. Mmh. Est-ce que tu sentais une genre de... Parce qu'il y a eu... C'est comme une genre de dualité magie/pression, parce que la saison 2008, on avait fini premier, t'as gagné Jack... Non, t'es arrivé deuxième au Jack Adams, centenaire, bading, badang. Là, tout le monde est bien heureux, évidemment. Mais là, la saison d'après commence, puis c'était comme deux saisons de centenaire. Ben, on avait quand même eu un bon début, parce que j'étais deuxième... derrière Claude Julien au match des étoiles. Oui, aussi. Fait que, l'année 2000, d'après. Fait que, c'est vraiment des circonstances. On a eu plusieurs blessés au début du mois de décembre. Ouais. Qui nous a fait extrêmement mal. Puis on avait la difficulté à gagner certains matchs. Mon Dieu, j'ai tellement pas de mémoire pour ces noms-là. Le joueur de centre, l'Européen qui était avec nous. Un grand bonhomme. Pas dans ces années-là. Parce que le premier sens, c'était Koivu. Pas Plekanec. Non, c'était pas Plekanec, c'était pas Koivu. C'était un grand joueur de centre. Européen, Colin. Ouais. Anyway, ce gars-là nous avait manqué énormément. On avait un bon avantage numérique, on avait encore un bon désavantage numérique, mais on a eu des certaines difficultés pendant les fêtes. Mais. Après, quand c'est recommencé, ces joueurs-là recommençaient à revenir. Ouais. Là, je chantais un changement. Malheureusement, le groupe d'en haut a décidé de faire un changement. Ils voulaient faire les éliminatoires, puis ils m'ont pas donné la chance. Mais moi, je l'ai toujours dit. Tu sais, je veux dire, c'était vraiment la première. J'avais 2 ans et demi que j'étais avec le Canadien, coaché. C'était vraiment la première fois vraiment qu'on tombait si bas. Puis moi, je lui ai dit, tiens, Mané, il faut que tu t'apprennes à perdre avant d'apprendre à gagner. Ouais. Je veux dire, dans les 8 matchs, les 6 matchs ou les 8 matchs que le Canadien a perdu, t'apprends qui t'as sous la main. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'as appris? Quand tu t'en vas dans les séries éliminatoires, tu t'en vas dans une saison où c'est la guerre. Oui. Avec qui tu vas à la guerre? T'as des joueurs là, qui n'aiment pas ça aller à la guerre. Ça fait mal. Ils sont pas prêts, ça fait trop mal. Ouais. Fait que ceux-là, tu essaies de pas t'en débarrasser, parce que tu peux pas t'en débarrasser comme tu veux, mais soit tu traites d'une façon différente, tu essaies de les apprendre, ou tu demandes, OK, va m'en chercher un qui va à la guerre. Ouais. Puis finalement, le magasin faisait les séries cette année-là quand même. Oh oui. Ils ont fait des séries après aussi. Ben, quand ils m'ont mis dehors, je pense qu'on avait 14 matchs suivants qui étaient à Montréal. Ça, c'est rare quand même d'être envoyé à 16 games la fin. C'est très spécial comme timing. Quand t'as été renvoyé, t'as dit une phrase. Tu sais, je m'en vais ça. T'as dit. On va savoir la vérité. La vérité finit toujours par sortir. Ben, j'ai bien pas sorti.
est toujours pas sortie? Elle est toujours pas sortie, puis je l'ai toujours pas dessus. Ben moi, c'est ce que, tu sais, puis je n'ai pas parlé avec Bob, là, mais c'est un peu ce qui, tu sais, puis il sait, là. Moi, j'ai joué avec Bob, tu sais, j'ai été assez longtemps avec lui. Je pensais mériter avoir au moins une partie de la vérité. C'était quoi? Pourquoi? Ça a jamais été dit. Puis, mais maintenant, il est enterré, puis ça fait que c'est plus quelque chose qui me... Ouais. Mais ça fait 10 ans, peut-être dans 10 ans. Ça va peut-être un jour. Il faut que je te demande, parce que c'est comme, il y a des personnages dans la vie, des fois, qu'on dit merci la vie. Oui. Alex Kovalev. Oui. Parle-moi d'Alex Kovalev. Moi, j'ai pas eu de problème avec Alex. Contrairement à ce que tout le monde pense. Oui, comparativement à tout ce que le monde pense. Quand on était sur la route, moi, j'étais un gars qui adore jouer au golf. Mm-hmm. Quand j'étais à Dallas, pendant que je jouais, on avait Brett Hull qui aimait ça, Mike Modano aimait ça. Ça fait que quand on partait sur la route, on chipait nos boîtons de golf. Puis l'instructeur, on avait une entente avec l'instructeur, donc on allait faire attention. Puis moi, quand j'étais arrivé ici, c'était la même affaire. Tu veux dire, quand on s'en va à Arizona, puis j'ai joué quelques occasions avec Alex, qui aime ça aussi. Ouais. Que, non, j'avais une bonne entente. Est-ce que c'était un gars facile? Non. Parce que lui, il a eu tellement de succès à jouer d'une certaine façon qu'il pouvait pas envisager de changer son style pour personne. Fait que c'est pour ça qu'à un certain moment donné, tu sais, je me rappelle avec les Rangers de New York, un moment donné, Mike Keenan l'avait laissé sa patinoire pendant quasiment 4 minutes ou 5 minutes. Parce qu'il faisait des chiffres longs. Il fait des chiffres longs. Fait qu'il essayait de revenir au bain. Il dit non, tu resteras là. Tu sais, je veux dire, fait que c'était la même chose. Quand c'est arrivé ici, tu essaies tout le temps. C'est comme ça, je reviens tout le temps à mon casse-tête. Là, tu regardes qu'est-ce que tu as dans ton casse-tête. Puis là, tu dis OK, faut qu'on joue de cette façon-là pour avoir du succès. Parce qu'il me manque ce morceau-là, Fait que là, tu décides pour le bien du groupe de jouer de cette façon-là. Fait qu'il faut que tout le monde embarque. Mm-hmm. Il y en a qui sont enclins des fois à moins embarquer, mais dans l'ensemble, il était correct. Ouais. Mais je l'ai toujours dit, quand j'avais besoin d'un but, là, je le laissais pas sur le banc. Parce que je savais que lui, quand ça y tentait, là, c'était incroyable ce qu'il était capable de faire sur le patinoire. Ouais. Tu sais, j'avais pas... C'est surtout à cause d'un article en Russie, là, c'est à cause de ça beaucoup que les gens te demandaient. Parce qu'il avait dit, apparemment, dans un article en Russie, quelque chose par rapport à toi, puis tout avait fait trop. Là. Mais c'est parce qu'avec ça valait tellement de talent, je pense que la tendresse qui comptait qu'en overtime, c'était comme Kovi, je suis sûr pour qu'il change. Tu t'en souviens sûrement, ça c'est vrai, puis il change pas, mais la game a fini. Pourquoi? Parce qu'il prend la puck, puis il va compter. Est-ce que c'est tough de coacher un gars de même, dans le sens que tu veux le réprimander pour ce qui est la fausse, qu'il est arrivé en retard parce qu'il était en avion à New York. Ouais. Tu sais, ça, les affaires, surtout juste... quand tu lui dis quand tu as dit de ne pas le faire ça. Ben oui, c'est ça. Ben tu sais, c'est ça. C'est l'affaire qu'on a compris, c'est qu'il fait bien ce qu'il veut, ce gars-là. Mais est-ce que c'est difficile par rapport aux autres de dire, là, respectez ce que je dis, sinon il y aura des conséquences, mais Kovi, c'est comme... Non. C'est difficile à long terme. À gérer, pas à long terme. Mm-hmm. À court terme, toujours facile. Il y a quelque chose qui va se passer, blablabla. Mais à long terme, c'est extrêmement difficile parce que les joueurs n'oublient pas. Non. Rancunier. Là, un mois plus tard, tu fais quelque chose avec lui. Il dit, mais pourquoi tu fais ça avec moi? Mm-hmm. Lui, parce qu'il est meilleur que moi. C'est toutes les choses. On l'a vu cette semaine à Tampa Bay avec Kucherov. Pas joué de la troisième période, pas joué du temps supplémentaire. Ouh. 3-3. Cooper l'a dit après. On voulait essayer de gagner. On avait besoin des points. C'est la décision qu'on a prise. Mais tu sais, il s'y arrive à un moment donné, je te dis pas qu'il va la refaire, mais ça peut être une situation difficile. Ouais. C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de perdre la chambre. À un certain moment donné, ça s'accumule ces choses-là, puis personne n'oublie rien. T'as-tu l'impression que les leaders sont allés voir Bob puis ont dit Guy, t'sais, comme ça arrive des fois, dire ah, je pense, tu sais. J'espère que non. C'est pas un bon. T'étais aussi là quand. C'était aussi parce qu'on connaissait du succès pareil. À la fin de la journée, le monde, ils veulent gagner. Oui. Exactement. T'étais aussi. C'est toi qui étais le coach quand Carey Price a donné ses premiers coups de patin. Oui. Maintenant, c'est Carey Price, mais à l'époque, c'était un jeune homme. Cristobal Huet, j'avais Yaroslav Halak. Halak, tout ça. Carey Price,
faut que je te demande, parce que c'est une histoire qui apparemment serait au centre. Mais il était goaler, puis tu sais, Carey Price était jeune à l'époque. Oui, apparemment, il avait 20 ans. Ouais, il avait 20 ans. Puis c'était pas lui qui startait cette game-là. Puis c'était l'autre goaler, mais je pense que la veille, il avait fait un peu de party. Puis tout est arrivé, puis tu avais dit, non, finalement, tu commences. Puis là, il a commencé cette game-là. Évidemment, catastrophique. Il s'est fait scorer 4-5 goals d'une shot. Pour retirer Carey Price. Puis les fans se souviennent de cette game-là parce que il était jeune, là, il n'avait pas appris, mais je pense qu'il était allé dans le vestiaire, puis il était pas. Mettons que le mot qui vient en tête, c'est bébé. Je pense qu'il avait un peu mal géré ça, puis je pense qu'il avait. Tu sais, sûrement de quoi je parle. Puis il y aurait. En tout cas, bref, je pense qu'il avait enlevé son équipement. Puis là, genre. Ouais, écoute, c'était pas parce que j'étais juste Carey, ben mais non, il y avait, c'était un peu c'est ça, exactement. Puis, ben moi, ce que je voulais faire au début, tu sais, Carey Price avait connu une bonne carrière junior. Ouais. Gagné dans les après américaines. Ça, ils ont tassé à Lac pour faire de la place à Carey dans les séries éliminatoires. Ils ont gagné la Coupe Memorial. C'était le bon Dieu. Exact, c'était le bon Dieu. Puis moi, ce que je voyais, ma vision avec Carey Price, c'était de l'envoyer dans la Ligue américaine. Parce que j'avais encore Jaroslav Halak, puis j'avais Christophe Alluet, qui avait de l'expérience, qui était pas des mauvais, c'est ça, c'était pas des mauvais goalers. Hein. Non. Puis Carey, moi, ce que je voulais, c'est qu'il s'en aille dans la Ligue américaine. Un, pour abaisser son estime de soi. Puis deux, mais pour qu'il joue. Moi, je voulais qu'il joue, mettons, les 20 premiers matchs dans la Ligue américaine. Ouais. Pour qu'il s'acclimate à la Ligue, tu sais, il l'avait fait, là, mais es-tu capable de répéter ce que tu as fait dans les séminatoires, mm-hmm. puis de t'habituer à c'est quoi être un professionnel. Ouais. Puis après, s'il y a le succès, de le ramener. Malheureusement, la direction n'a pas... Voulait que leur jeune poulain monte. C'est ça. Fait que tu sais, tu essaies à travers certaines choses de lui enseigner, lui en prendre. Mais ce que j'aime aussi de cette histoire-là, c'est aussi un testament sur le leadership de Koivu, parce que de moi, ce que j'aurais entendu, c'est que Koivu aurait dit, là, tu vas mettre ton équipement, tu vas venir t'asseoir au bout du banc, parce que c'est à cause de toi qu'on perd 4-0. Puis Carey Price, écoute, je pense que j'ai jamais vu une casquette aussi profonde sur une tête, là, au bout du banc, cacher ses yeux, cacher, mais regarde. C'est exactement. Il faut que tu connaisses des difficultés à quelque part à un moment donné. Pour évoluer aujourd'hui, c'est ça. Puis aujourd'hui, c'est à un certain moment donné, tu vas le faire. À un moment donné, tu vas l'avoir. Comment tu vas réagir après, c'est ça qu'on veut savoir. C'est-à-dire, connaître des difficultés, là, c'est correct. Ouais. C'est, moi, je veux savoir comment tu réagis quand tu as ces difficultés-là. Ouais. Tu t'enlèves-tu, tu vas t'écraser. Si tu t'écrases, on va passer à d'autres choses. Tu recoacherais-tu? Oui. N'importe où? N'importe où. Tout le monde dit, pourquoi tu comprends pas que quelqu'un va prendre la job là? Mais c'est parce que des jobs, il n'y en a pas une tonne. Il y en a 31. Ouais. Il va en avoir 32 l'année prochaine. Puis, tu sais, je veux dire, lorsque ça va mal, c'est un peu normal qu'il change quelque chose. Alors, tu n'arrives pas dans une situation facile. Mais oui, j'ai adoré ça. J'ai adoré décortiquer les matchs, genre, le gars. J'ai adoré me lever le matin pour essayer de trouver des solutions. Comme je dis, il y a eu des situations que j'ai pas trouvées faciles, mais j'étais meilleur à la fin de quand on m'a mis dehors, j'étais un meilleur coach que ma première match. Puis t'apprends tous les jours. Puis, t'as eu un petit passage à Chicoutimi. Oui, je suis allé finir la saison. Moi, j'étais un des propriétaires des Saguenay Chicoutimi. Lorsqu'on a décidé de laisser aller Richard Martel, on a commencé à faire une liste de potentiel. Puis, comme la saison, tu sais, des fois, tu vas attendre peut-être de voir qu'est-ce qui va se passer. C'est ce que j'avais dit, oh, tiens. Je vais finir la saison. Puis, Mais rester en junior, c'est pas quelque chose qui t'intéresse. C'est un peu. Si j'avais été 10 ans plus jeune, c'est un peu l'erreur que je pense que j'ai faite. Je veux dire, quand on m'a mis à la porte, il me restait 2 ans et demi à mon contrat. Où t'es payé quand même. Je pouvais pas aller nulle part. Même pas junior. Ben, j'aurais pu retourner junior, là, mais je ne sais pas comment est-ce que ça aurait marché dans mon. Je pense que j'aurais été continué d'être payé, mais je veux dire, j'avais une maison à Montréal, mon épouse était ici, elle était en business.
C'était pas, tu sais, ça aurait fallu que je m'en aille en appartement tout seul. Maman Columbus. Dans la Ligue américaine. J'ai commencé à travailler en télévision pas mal tout de suite après. Ça fait que, déjà là, j'avais un bon salaire qui me permettait de vivre. Fait que, tu sais, si j'avais eu une dizaine d'années de moins, je pense que de retourner dans le junior ou d'aller dans la Ligue américaine, ça aurait été vraiment une meilleure option. Puis je pense que ça m'aurait pas dérangé. Non. Tu sais, je connaissais ce que Alain Vigneault était capable de faire, puis des gars comme Michel Therrien, ouais. Puis ça veut dire qu'il n'y avait pas de honte. Il y avait pas de honte à retourner à non. quelque part. C'est juste que le timing était pas bon, puis tu sais, c'était dans ma vie, c'était pas la meilleure chose. Puis là, à cette stade-ci, t'es... Ben, je suis pas... Non, je veux dire, ça... Je vais peut-être coacher encore 3 contre 3. Ah! T'es une de tes petits gars quand ils vont vieillir, tes petits-fils. J'en ai un qui a 11 ans. Là. Oh! Ben, il joue au hockey un petit peu, oui. C'est le fils à Brandon? À Brandon, oui. Il aime ça. Je suis pas certain qu'il va faire un joueur de hockey. Non? En tout cas, il aime ça. Il travaille fort. C'est ça qui compte. Parce que, écoute, on voit les cycles à Montréal. Oui. Michel Therrien s'est fait renvoyer pour Claude Julien, qui s'est fait renvoyer pour toi. Puis là, Michel, plus tard, Michel s'est renvoyé pour Claude. Je veux pas te dire quoi faire, mais tiens-toi pas trop loin. Ouais, ça, non, ben écoute. C'est le jour de la marmotte. Non, je te dis pas que je dirais pas non. C'était vraiment quelque chose que j'ai adoré. Puis, surtout... Ta carrière est une série d'allers-retours Montréal-Dallas. Et ta vie personnelle. Ma vie, c'est ça. Et écoute, je dis ça encore une fois de même. Dallas, je cherche un coach. Ouais, je suis allé à Dallas la semaine passée. J'en ai parlé avec Jim Neal. J'ai dit peut-être. Ouais. Puis, y a-t-il une ouverture? Je sais pas. Il dit, on règle ça. Je sais pas. Quand récemment tout est sorti sur les coachs, il y a eu des affaires. Tu dis, ah shit, mon nom, t'avais-tu peur que des choses sortent? Non, ça, c'est une affaire que j'ai pas de crainte. Mm. C'est sûr, c'est une situation qui est pas facile pour personne. Je comprends ce que les instructeurs essayaient. J'ai été joueur, j'ai été instructeur. C'est difficile de motiver des joueurs. De ce temps-ci, pas juste de ce temps-ci, même dans les années avant ça, ça arrivait pour une raison. Ouais. Mais écoute, j'espère, j'aime ce qu'on fait. Je pense que c'était le temps que ça arrive. Maintenant, il faut passer à autre chose et être sûr que ça ne va pas trop loin, c'est tout. Ouais. Guy, merci énormément d'être venu. On a posté, je sais qu'on est à 1:45. Wow. 1:45, mais écoute, c'est Guy Carbonneau puis Jaseux, c'est rare en France, ouais, mais là, c'est l'occasion. On va faire deux shows. Oui, exactement, ouais, ou un très bon. Oui. En terminant, c'était quoi le nom du centre qui était blessé? Robert Lang. Robert Lang, exactement. Un check. Et ça, lui, il avait vraiment manqué. Oui, lui, il avait manqué, puis il était vraiment, ça vrai, il était tellement bon. Oui. 39 points à 50 games cette année-là. Et c'était le talon. Ça avait fait vraiment mal. On salue les costitines au passage. Merci, Guy. Merci. Merci tellement à Guy Carbonneau d'être passé au podcast, d'avoir été aussi généreux. Ça a été agréable de A à Z, j'espère. Le recroiser éventuellement, très très gentil monsieur, un gentleman. Merci à vous sincèrement d'être au rendez-vous toute l'année. Vous avez fait de la saison 4 une saison aussi nice qu'Apuce Light, et ça c'est vraiment grâce à vous. Je vous rappelle aussi, pas besoin de m'écrire, on va faire l'épisode du repêchage à chaque année. On me demande, hey, l'épisode du draft s'en vient-tu avec Charles Pellerin, le failé? Oui, ça s'en vient, inquiétez-vous pas, c'est devenu une tradition. Même que plus encore, on a un événement spécial qu'on espère être en mesure de vous annoncer dans les prochaines semaines, donc restez à l'affût. Je vous rappelle, on peut se voir en personne le 17 avril. Venez faire un tour au terminal. Je teste des nouvelles jokes. Sinon, je vous dis pour la dernière fois cette année. OK, bye bye. Bye bye.